Tiens, vous êtes pressé, hein? Tiens. Déjà, vous êtes avant 18. Ah, donc vous attendez ça. Affaire d'Aïcha Koné. Ah. Donc vous vous abonnez maintenant. Ouais. On m'attendait vraiment. Mais on va pas durer aujourd'hui, hein. C'est parce que mon informaticien Poul m'a appelé, donc du coup, j'ai dit bon, j'ai fait ce matin parce que c'est lui qui gère la web et donc il faut lui honorer, c'est très important. Alors j'aimerais saluer ici Monsieur Koulibaly Mona depuis l'Angleterre, notre sponsor. Malgré qu'il n'a pas de poste de responsabilité au RHDP, en tant que militant actif, il joue un grand rôle. Quand vous attendez l'Adji Communication, l'Adji Shérif, alors, si c'est source chez M. Koulibaly Mona, j'aimerais ici saluer tout le monde. Merci à toi, Koulibaly Mona, pour la mise en place de la Web TV. Mais la date est finie, hein. Ceux qui nous ont donné le diplôme, là. Web TV, là, est finie, hein. On n'a pas venu mendier devant vous encore. Et les gens vont se moquer de nous. Donner le diplôme, elle doit être accompagnée des matos qui permettent de communiquer. Voilà. Nous, on joue nos rôles. Vous aussi, jouez la vôtre. Bon, si vous n'êtes pas 200, moi j'arrête, hein, je commence pas, hein, j'arrête. Et puis, je fais mon live de ce soir. Vous commencez en fanfare et puis vous allez en fuite. Donc, mettez les cœurs pour M. Koulibaly Mona. Assez de cœurs pour lui. Si vous n'êtes pas prêt, moi j'ai d'autres occupations. C'est parce que mon coul m'a appelé matin, il m'a dit, mon petit, c'est comment? Il dit, ah, j'ai peur. Attends d'abord. Donc, j'ai dit, j'ai fait ça. Donc, si vous n'êtes pas 200, allez vous faire voir ailleurs. Si vous n'êtes pas 200 seulement, allez vous faire cuire un œuf. Si vous n'êtes pas 200, pas de papatouya. Pour commencer, si vous n'êtes pas 200, allô, bonjour, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez très bien, la voix elle est bonne, le micro, tout passe bien. J'ai dit hier, lorsque nous avons fini la cérémonie, bon, il était important de se retrouver entre nous et frères et amis, et donc suite à ces raisons, j'ai pas pu faire du Kwakwatoya hier, et donc j'ai été appelé par le frère Koulibaly depuis l'Angleterre, que je salue ici d'ailleurs, et qu'il m'a demandé s'il n'y avait pas de papatouya. Il dit non, cool, on vient de nous remettre des diplômes. Alors, ces diplômes doivent accompagner des matériels. Voilà. Nous, on ne dit pas comme Ibrahim Traoré. Hein. On lui donne matériel, il dit, il est toujours en introduction. Il demande matériel, qu'il allait faire 60% du boulot. On lui donne matériel, il dit, il est toujours en introduction. Et il est assis au Kossiam là-bas, il ne veut pas aller combattre. Non, on n'est pas comme ça. Donc, c'est Koulibaly qui gère la Web TV. Nous avons décidé de ne plus lui demander ses aides. Franchement, il en a assez fait. Depuis le début de la Web TV jusqu'à présent, c'est lui qui gérait. Donc, on a décidé de ne pas l'embêter parce qu'il en a fait assez. Et nous-mêmes, nous allons, à travers nos petits moyens, essayer de réactiver la Web TV, c'est chaque année. Alors, ici, c'est ce que nous disons. Moi, c'est ce qui me plaît chez les gens de l'opposition. Quand ils ont un problème, ils viennent, ils le disent. Nous, on est toujours complexés. On a peur de le dire. On nous a donné des diplômes. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mérité le boulot que nous avons fait de façon bénévole pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui. Si on a été honoré et qu'on a eu des diplômes, mais on a besoin de matériel pour communiquer. On va pas venir mendier ça. On va pas acheter ça aussi. Et puis, on vient nous donner des diplômes. Voilà, si vous avez reconnu le travail, donc activez-vous bientôt, la Web TV va finir. Et donc, soyez actifs à réactiver la Web TV. Non, ça seulement,
Je ne peux pas le faire. Il faut que je vous dise la vérité. Je ne peux pas aller mettre encore de l'argent. Donc, ça, c'est parfait. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire. Alors, si vous n'êtes pas 200, dans quelques minutes, j'arrête et puis on remet ça à la semaine prochaine. Voilà. Si vous n'êtes pas 200, pour commencer, on remet la vidéo, on reprend le papatoya la semaine prochaine. Et puis, voilà. Parce que je ne vais pas prendre mon temps pour venir parler devant quelques personnes. Alors que vous savez que tout le monde attend le papatoya chez nos voisins, affaire des Aïcha Kone, etc., etc. Et ce soir, on a nos lives. Donc, je vais me concentrer sur le live de ce soir. Et puis, voilà. Si on n'est pas 200 pour commencer, allez, bye bye. Je vous donne quelques minutes. Je vous attends. Voilà. Moi, c'est comme ça. Je vous donne quelques minutes. J'attends. Si ce n'est pas propre. Voilà. Et j'ai de bonnes nouvelles encore pour vous. De bonnes nouvelles. Je viens de faire la connaissance encore. Je viens d'ajouter sur ma liste de femmes s'il faut une nouvelle. Et je vais vous donner son nom ici. Allez, à partager. Si vous ne partagez pas, il arrête. Hein. Voilà. Vous m'entendez? La voix est bonne. Vous êtes toujours 83. Donc, essayez de monter encore. Voilà. Bon, les gars, on va tourner la musique. Et tout ce temps va partir de mon temps que je me suis donné pour faire le papatoya. On tourne la musique. Bah, s'il veut, il n'aura pas partagé. S'il veut, il n'aura pas laissé. C'est moi qui ai demandé pardon. Il ne va pas pardon. C'est moi qui ai décidé de faire le papatoya. Non, j'attends. Je vais jouer la musique. Si ça diminue, 80. Après, on arrête, les gars. Bon, les gars, cool. On va faire le papatoya la semaine prochaine parce que là, il n'y a pas assez de personnes. Donc, avec 79 personnes, on ne peut pas. Et qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer? On va remettre ça la semaine prochaine. Voilà, de toutes les façons, nous, on est là. Moi, je vous dis, hein, je joue la musique seulement. Si je n'atteins pas le nombre, j'arrête. Si je n'atteins pas le nombre que j'ai souhaité, je ne sais pas. D'ailleurs, même moi, je cherche à sortir. Non, il faut que je vous dise la vérité. Hein. Le soir, je fais mon live et puis voilà. Bonjour, Traoré Adams. Voilà, ça monte pas, ça ne monte toujours pas. Voilà. Ça ne monte toujours pas. Avant que la musique ne finisse, si on n'atteint pas un certain nombre, donc c'est pas la peine. Ouais. Bonjour Yakou. On n'a pas atteint le nombre. Hein. Donc, je suis désolé. Salam à toi. Est-ce que vous entendez ma voix? Est-ce que vous entendez ma voix?
Ceux qui sont là, est-ce que vous attendez ma voix? Si vous n'attendez pas, dites-le. Vous m'entendez? Et donc, j'étais disant que on n'a pas atteint le long. Et donc, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Et j'aimerais qu'on remette ça la semaine prochaine parce que, vous voyez, voilà. Donc, on ne peut pas prendre quelques heures pour ne pas avoir assez de connectés. Oui, cool, le son est bon, mais bon, il n'y a pas assez de personnes. Donc, c'est pourquoi je veux mettre ça la semaine prochaine, tu vois. N'y a pas assez de personnes. Voilà, on n'a pas atteint le nombre. Donc, du coup, je voulais mettre ça la semaine prochaine. Comme ça, je vais aller dans mon rendez-vous. La semaine prochaine, on va tous se connecter, puis on va reprendre. Voilà. Ouais, le grain de Yamoussoukro. Voilà. Salam, Ado le bâtisseur. J'ai dit, on n'a pas atteint le nombre. Voilà, vous n'êtes même pas 100, donc je ne peux pas commencer un live et puis voilà. Au moins, si on était 200 ou à 100, comme ça, si ça monte, on allait pouvoir remettre ça la semaine. Regarde dans ton WhatsApp. Oui, cool, j'ai regardé tout à l'heure. Cool, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Hein. Bientôt, tu seras mon beau. Il a dit à Serifoumoussou. Ouais, cool, dis quoi, calme-toi. Je ne suis pas fâché, monsieur Diabaté Souleymane. Diaby Souleymane, non, je ne suis pas fâché. Pourquoi j'ai me fâché? Non, je ne me fâche pas, moi. Voilà, c'est notre devise. Parce que vous ne vous abonnez pas. Et quand je commence, c'est vous qui me cherchez partout. Alors que le truc est là. Vous n'avez pas à vous abonner. Hein. Donc, du coup, attendez. Cool, voilà. Ils vont faire venir, sois patient. Ah, cool. Vraiment, toi là, Bon, d'accord, cool. Moi, je dois aller voir ma petite gosse de nouveau, cool. Ah, ma petite gosse de nouveau. Ah, son nom c'est. Pipi, 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 pipi. Ah, tiens, sois patient, sois patient. Attends un peu le goût là. Même. Attends un peu le goût là. S'il te plaît, tonton, attends un peu. Ah, tiens, non, moi, rendez-vous. Un magot, c'est une faux. Il y a rendez-vous, un magot, c'est une faux. Il doit aller là-bas. Payez-vous la même là. Payez-vous la même là. Les foutaises. Alors, on reprend encore la musique. Le temps d'attendre un peu, comme l'a dit Cole. Voilà. Ma belle go. Goula, allez là, laisse tomber. Hein. Tu peux pas à moi, allez là. Deux go, c'est le faux. Trois go. Trois go, trois go, c'est le faux. Ma soeur Aya, comment tu vas? Attends-moi ici, gâté. Hein. Elle est go, mais elle est go, c'est le faux. Mais elle est go, c'est le faux. Mais vous êtes nouveau là, tu veux pas? Allez là, tu veux pas? Non, c'est pas mes goûts, hein, c'est ma femme. Non, vous là, elle est zo, hein. Si, mais c'est son nom qui est vilain même. Allô, bonjour. Non, vous êtes nouveau là, elle est jolie même. Si, mais c'est son vilain nom là qui me dérange. Elle a un vilain nom, elle s'appelle Pipi 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 Pipi. C'est nouveau, ils ont tous les noms d'eux. Même il y a les Chinois chez eux, tout ça là. Ah, da. Alors, bonjour à tous et à toutes, donc, chers frères et sœurs, comme je vous disais, au risque de me répéter. Donc, hier, nous avons été honorés par les cadres du parti. Et donc, nous demandons qu'à travers cette décoration, qu'elle soit accompagnée aussi des. Depuis qu'il a dit qu'il s'est entendu. Eh non, les beaux cohérents sont en train de m'appeler. Depuis qu'il a parlé, qu'il. Attends, bon, mais il a arrêté. Hein. Et les femmes cohérentes, là, elles sont jalouses. Alors,
cher frère et soeur, avant de commencer, comme il y a 103 personnes, qu'on dit de patienter, je patiente. Nous allons partir rapidement avec nos parents Wodjeneka. Les Wodjeneka, mes parents, mes beaux-parents. Bonsoir. Maman! Baba! Chinois est vraiment que moi, Evie. Hé, maman! J'habite la Chine, le brandé qui est à ta Chine. Un peu de chinois et comme un bouquet de. Viens ici, ma. Viens ici, ma. Adore, Maya. Maman. Baba. Dans la Chine, il y a un peu de mousse au bémadi, ma congala, crégué. Tu n'as été dans mon mesuré. Au brava. Fais-le. Au tena que bré. Au brava. Au brava. Hein? Voilà, Idi. Alors, nous allons partir chez nos parents. C'est nouveau. Ah, les gars, je ne vous ai pas donné le nom de ma nouvelle femme. C'est nouveau. Elle est zo dans le carton. Elle n'est pas comme Solo. Non, elle n'est pas dans le même département que Solo Canidien. Elle se regarde, je dis, c'est un manger de Marguia. Il a dit à Gola, il dit, hey, si tu parles à Soro Kanigi, là, t'es à voir. Ah, vous êtes là, les autres, il y a tellement là, non, je suis gâté. Attends, Paris est rempli de gosses, une fois aussi. Moi, je ne sais pas tout ça. Là. Je dis, bon, eh non. Allez, là, je suis gâté d'en faire des infos, là. Il y a Biko là, en garde, quoi. Il dit, hey, si tu te comportes comme Soro Kanigi là, tu vas voir. Alors, donc, ma nouvelle chérie, c'est une faux dédicace à toi. Depuis ta position. Son nom, c'est Pipi, 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 Pipi. Alors, dédicace à ma nouvelle femme, c'est une faux. Chez nous, les c'est une faux. Uh-huh. On dit bête tout à ma chérie, tout nanana. Guillaume Soro est ce nouveau. Quand il dit Soro est ce nouveau, nouveau. Il sait bien ce que ça veut dire. Il sait bien ce que ça veut dire. Ça veut dire la souris là. Parce que nous, les cerveaux, on est maillés de certaines choses. Quand tu vas au chat et puis tu tues les souris de chat. Il y a un dit ça comme ça, mais pas qu'après le koyara. Ils disent, ah, vous mangez toutes les souris d'Abidjan, des canicaux là-bas. Je parle des souris des champs. Quand on tue les souris au champ, et puis on veut braiser pour manger, le goût de la souris, on a son avant-goût à partir de la queue. Parce que la queue, là, il n'y a pas beaucoup de sang dedans. Donc, vite, c'est cuit. On peut déjà manger la queue. Et à partir de la queue, on peut savoir si la souris va être à main, parce qu'il y a des souris qui ont la chair à main, ou pas. Christiapi ne ment pas. Christiapi ne ment pas. Approche bien. Collez-vous. Hein. Parlez fort. Hein. Vous enlevez un certain. Un certain. Hein. On a les têtes bougées, mais c'est doux. Ma bouillie est doux. Vous êtes les gars, c'est une faux. Toi, tu as quoi? C'est une faux. Et toi? Non, toi, c'est nouveau là. Wallah, Bilay. Si tu t'amuses à manger Marguia, je te laisse. Voilà. Et puis ton nom même est vilain même encore. Ton nom là, c'est pipi, 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 pipi. Pipi 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 pipi.
Alors, on s'en est chez le Ojeleka, le seul Ojeleka qui a réussi en Chine. On va l'écouter. Maman! Maman! Baba! Baba! Tu dois prendre un boussia. Oh, baba! Ah, tu dois voir quoi? C'est bon, on s'en va chez nous les Koyara maintenant, nous on est trop civilisés. Alors, on est civilisés. Ne demande pas, mais on va croire à Tchetimine. Bien sûr, vous êtes là. Il est. Quand on dit les femmes bras longs, là, ni qui très brillant. Tu vas voir, t'es ton vilain nom là. Comment croit tes bras physiques, il est là? Diga, mais voilà, n'y a moussoba, lui, n'y a agribati, il est ma mouhebe, j'y mamou. Afé, diga, il est là, il est là, comment quand ça va, t'y nous, misri là, moussoba, la boule, mouhebe. Oula, tu l'as déjà pris la saison là, non? Niga, il est mamou, il est mamou. Namou. Pas de fris, c'est saison là, non? Ça n'a ni sa zéli. Attra moussoho. Namou. A moussou le goussou à tes fris là, c'est son là. Moussou balé, abro. Allah, ou akibaru. Non, t'as ni djanga lima, kaka lima, mou, abro. La belle, la belle, y'en a fris, c'est son là, non? Mou, hébi. Y'en a eché balou là. Ara biro, quoi, non? Nika traye, coule tes fris là. Namou. C'est wali le biro là. Moussou balé, bro. Mou, hébi. Ni kaje ko laji ta se fri la direti lo se nu fo mu so che ma do le abi lo eji mu karamu ato ye ki la le pen 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 eji mu karamu e nyan se nu fo to ko le zo ka mu ye pe di mo tan comme ça là ya pre ata e ye combien de gosse nu fo mu ya a il y a Z, il y a K, il y a V. Bon, on fait sélection. On sélectionne les femmes. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes dans le Papatoya déjà, grâce à notre ami Koulibaly depuis l'Angleterre. Et nous allons partir avec M. Abou Sila, avec le grand... Ma copine est votre... Abou Sila, nous allons partir pour la retraite politique de M. Abou Sila. C'est parti. Chers camarades. Oui, chers camarades. Mon ambition, c'est de partir. C'est de partir. La sagesse me recommande est de se préparer à partir. Donc, je partirai. Alors, toujours je vais faire nos publicités. Hein. Voilà, vous là. Voilà, je vous ai dit que la web est presque finie, donc apprêtez-vous. Alors, chers frères et sœurs,
Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Aïcha Kone. Et nous allons parler de Wilwe Jordan du Kojovi Agbo, qui a décidé d'aller se mêler dans ce problème, mais les pro-Gbagbo l'ont rejeté. Encore, les pro-Gbagbo ont rejeté Wilwe Jordan. Est-ce que Wilwe Jordan est-il maudit politiquement? C'est la question que nous nous posons. Mais bien avant de commencer l'affaire Aïcha Kone, alors, il y a aujourd'hui les pro-Soro, les pro-Gbagbo, les pro-Tan qui sont au Mali. Mais comme les Maliens ont commencé à regarder le Papatoya, alors les Maliens m'ont appelé et ils m'ont demandé une information capitale. Que mais est-ce que les pro-Gbagbo et les pro-Soro s'entendent en Côte d'Ivoire? Parce que nous voulons remettre le pouvoir à Soro lorsqu'on va chasser Ouattara. Mais est-ce que M. Ladji, vous êtes sûr que Soro Kibafori Guillaume pourra diriger cette nation? Alors, je leur ai demandé de s'abonner sur mon Papatoya de Ladji Shérif et comme ça, ils vont comprendre. Chers frères et sœurs, on n'avait pas encore fini cette émission lorsque Hervé Didier Ricouché avait demandé à Gbagbo qui va porter plainte contre moi. Toi, si tu n'arrêtes pas là, toi, pas me provoquer ici. Hein. Alors, comme Hervé Djedje avait demandé à Laurent Gbagbo de porter plainte contre M. Guillaume Kibafori Soro, et cette guerre n'est pas encore finie. Alors, avant de commencer chez Aïcha Kone, pour que tout le monde puisse se connecter, il a été à la demande des Maliens de reprendre encore, parce que le palabre n'était pas encore fini, entre les pro-Soro, les pro-Gbagbo, et les pros, c'est parti. Bonjour Hervé Djedje, les Maliens qui sont abonnés sur votre page et les Burkinabés qui sont sur votre page, ils m'ont demandé est-ce que votre conflit est fini pour que eux puissent faire le coup d'état pour donner à Guillaume Soro et pour que Guillaume Soro aussi accepte de partager le pouvoir avec M. Laurent Gbagbo. Donc bien avant d'aller sur l'affaire Aïcha Kone, nous écoutons le général colonel. Oui, bonjour. Il faut qu'on leur dise cette vérité-là. Non, moi, je ne peux pas me priver de dire. Non, Hervé Djedje, vous êtes en coalition, vous êtes au Burkina, vous êtes au Mali. Vous n'allez pas vous battre quand même. Ce n'est pas parce que les Maliens m'ont demandé ça et les Burkinabés. Et je dois ajouter ça sur le Papatoya avant Aïcha Kone. Oui, Hervé Djedje, il faut te calmer. Vas-y, oui. Je ne peux pas me priver. Excusez-moi. Pardon. Hein? Excusez-moi, mais je ne peux pas me priver de dire cette vérité-là. Quelle vérité? Elle est encore chaude, cette histoire de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Bientôt, on s'en va à la haie, à la CPI. Pourquoi quoi? C'est ça qu'ils ont vu, parce qu'on a décidé d'aller à la CPI. Uh-huh. Demander à ce que ceux qui ont tué uh-huh. viennent répondre maintenant. Ah, qui a tué? Mais vous êtes tous au Mali, non? Aïe. Mais vous n'êtes pas. On a Mali. Demandé à ce que ceux qui ont commis des crimes en Côte d'Ivoire, uh-huh. parce que c'est ce que j'ai dit. Uh-huh. Quand j'ai parlé, le président Laurent Gbagbo m'a écouté donc, à la fête de la Renaissance. Donc vous n'êtes pas ensemble. En fait, vous faites semblant d'être ensemble au Mali. Au Burkina et au Niger. Ah, jusqu'à présent, Gbagbo t'écoute. Ah, donc vous n'êtes pas unis. Ah, d'accord, on continue. Oui. Mm-hmm. Comme il suit mes vidéos à la fête de la Renaissance, uh-huh. il a utilisé presque les mêmes thèmes que moi. Donc Gbagbo, c'est un hypocrite. Donc, étant à la fête de la Renaissance, il utilise les mêmes thèmes que toi. Quels sont ces thèmes? Dis-nous, Hervé Djedje. Il a dit. Uh-huh. Il a été acquitté. Uh-huh. Ceux qui ont commis les crimes là. Uh-huh. Il faut qu'ils répondent maintenant. Et qui a commis les crimes? C'est pas ce qu'il disait tous les jours. Uh-huh. C'est pas ça que j'étais en train de dire depuis un moment. Oui. Un moment là, ça m'a pris. C'est de ça que seulement que je parlais. Oui, oui. Il faut qu'on aille à la CPI uh-huh. pour réclamer uh-huh. ceux qui ont tué les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Et ils viennent répondre maintenant à leur tour. Qui a tué? Depuis qu'il a dit ça là, la France aussi. Quand le président Laurent Gbagbo a dit ça, la France s'est réveillée ici. Uh-huh. Il faut chercher Soro Kibafori Diop. Donc, ils savaient pas mais où. Non. N'attendez pas que la France cherche Soro Kibafori Diop pour uh-huh. la mort d'Ibrahim Koulibaly. Il y a eu ah trop de morts. Donc, il y a eu trop de morts en Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly. Ce n'est qu'un. Ça ne fait même pas un pour cent. Ça fait même pas un demi pour cent de morts qu'il y a ah eu sous Soro Kibafori Diop et son Dramane Ouattara. Uh-huh. Les deux là doivent répondre. C'est de ça qu'on parle. Ah bon? Et quand on parle de ça, vous, vous pensez que vous allez venir nous faire la morale? Vous allez venir nous indexer en tant qu'opposition? Que c'est nous qui, hein, qui faisons bras dessus avec le parti au pouvoir? Ceux qui ont tué les gens? Mais qui a, c'est, eux, ils ont tué là. Ils n'ont pas tué à partir de 2011. Ils ont tué à partir de 2020, pardon. C'est à quelle année? Ils ont tué à partir de 2020.
Dis-nous, Hervé. Ils ont commencé à tuer il y a très longtemps. Ah bon? Sous Soroki Bafori Diom, le tout puissant ministre de la Défense de Dramane Ouattara. Premier ministre. Écoutez, hein. Ils ont commencé à tuer sous Soroki Bafori Diom. Oui. Secrétaire général du MPCI. Hein? Il y a longtemps, depuis 2000 là-bas, qui tue, 2002. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Ne prenez pas une partie de l'histoire et puis oubliez l'autre partie. Non, non, non. Associons tout. Et puis, si on doit vous pardonner, on va vous pardonner. Ah, donc c'est vous qui devez pardonner à Soro. Et le puis, si on doit vous pardonner, et le si vous reconnaissez, hein? Si vous assumez d'avoir fait du mal, comme le fait le frère Zouzou Soro, Zouzou, ah, comment il s'appelle là, Doumbia Zouzou Soro là. Donc, attends, Hervé Dédé, vous êtes au Mali au Burkina là. Zouzou, c'est pour ça la voix. Comme il fait tout le temps en train de pleurer pour dire, mes frères, on vous a fait du mal. Mes frères, pardonnez-nous. Mes frères, on a été dans le mauvais camp. Mes frères, on a agi que ceci. Mes soeurs, pardonnez-nous. Comment il fait là? Faites comme ça. Ah, mais attends. Faites profil bas. Les Burkinabés vous écoutent. Profil bas. Si vous voulez qu'on vous écoute. Les Maliens vous écoutent. Faites profil bas. Si vous voulez arrêter Soro, qui vous a envoyé au Burkina, au Mali. Faites profil bas. Parce que vous n'êtes pas des saints. Donc Soro n'est pas saint. Vous n'êtes pas des saints. Et Hervé Dédé. Qui va parler pour ces victimes-là? Qui? Hervé Dédé. Qui va parler pour ces victimes? Qui va parler? Dis-nous. Vous ne faites pas profil bas, vous voulez venir accuser l'opposition? Hein? Le président Laurent Gbagbo sait comment il marche avec son opposition. Hein? Il sait comment il marche avec son parti politique. Hein? Il sait ce qu'il veut pour la Côte d'Ivoire de demain. Partagez, les gars, partagez. Et puis son parti politique averti. Partagez. Laissez-moi me concentrer. Parce que, hey, Payser, tu sais que je suis un grand madame de toi, non? Donc, il faut arrêter d'écrire les commentaires. Là, dit concentre-toi. Attends. Hervé Dédé, je vous présente mes excuses. Hein. Soulé de Paris, je vous présente mes excuses. Admirable de l'Océanie, excusez-moi. C'est les Maliens et les Burkinabés qui m'ont dit que j'avais commencé un papatoya là. Que de mettre ce papatoya là, voir encore si réellement tout ce que j'ai dit dans mes analyses. De la dernière vidéo que j'ai fait suite aux manipulations de Guillaume Soro au Mali et au Burkina. Et j'ai dit, je suis d'accord, je vais reprendre. Parce que le papatoya n'était pas fini. Et ça, c'est là-bas que je suis en train de vous montrer maintenant. Comment vous-même, qui combattez Ouattara là-bas, allez le salir, vous ne vous entendez pas. Si c'est pour aller mentir que c'est Ouattara qui tue les gens, c'est Ouattara qui veut faire le coup d'État, alors que ici tu ne dis pas nom de Ouattara. Hein? Ici, tu t'adresses à qui? Soro Kibafori Guillaume. Donc, les Burkinabés maliens qui les suivaient là, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Hein? Si c'est pour aller chercher l'argent chez vous, ils sont premiers. Donc, c'est le combat là qui continue. Hein? On va continuer ça. Et après, vous allez venir les écouter sur l'affaire Aïcha Kone. Vas-y, Hervé Dédé. Arrête ce que tu fais. Change ce que tu fais. On veut l'apaisement. C'est pour cela qu'on est allé au dialogue politique. Mais on vous connaît. On sait que vous êtes dans la violence. On sait que vous ne voulez pas de dialogue politique. Vous ne cherchez pas une réconciliation. Vous ne cherchez pas à apaiser la Côte d'Ivoire. Vous ne cherchez pas à réconcilier les Ivoiriens et les Ivoiriennes. On le sait, mais on passe par la démarche légale. On passe par la démarche légale. Hein? Si on passe par la démarche légale et que vous ne comprenez pas, on va avancer encore plus. Parce que dans la démarche légale, il y a plusieurs points, il y a plusieurs stratégies. Dans la démarche légale, là, il y a beaucoup de choses à aborder. Ah bon? Partagez les gars. Il y a beaucoup de points à toucher. Les gars, dans partagez. Cette démarche légale, nous n'allons pas sauter les étapes. Arrêtez, mettez étape par étape, nous avançons. Aujourd'hui, ça, on a vécu. Au Mali. Évitons les troubles. Évitons de créer les guerres. Évitons de créer des troubles. Les populations souffrent assez. Et ont assez souffert. Il faut régler le problème et puis on avance. Si vous voulez des élections libres et transparentes, remettez le président Laurent Gbagbo sur cette liste-là. Si vous ne voulez pas entendre par la parole, on va ajouter la masse. Et cette masse va tellement porter la parole que ça va te déposer du pouvoir. Tu seras obligé de fuir le pouvoir. Mais on n'est pas encore là. Ça ne veut pas dire que si vous continuez comme ça, on ne va pas arriver là. Ah bon? Donc, nous, on sait comment on marche. Hein? On n'est pas rebelles. On ne marche pas comme les rebelles. Ah bon? On ne marche pas comme les rebelles. On va l'écouter. Hein. Et que vous voyez tous les partis politiques de l'opposition sont partis aux législatives. Et qu'ils siègent à l'Assemblée nationale. Mais c'est nous qui avons donné du grain à vous, à M. Ouattara.
Il faut aussi en vouloir à vous-même. Quand tu parles au chien, il faut aussi parler aussi à l'os. Quand tu parles au chien, il faut aussi parler à l'os. C'est vous qui avez donné, n'est-ce pas, du grand amour à M. Ouattara. C'est vous qui l'avez conforté, vous l'avez confirmé, vous l'avez vraiment, comment dirais-je, encensé dans son troisième mandat. Jusqu'à ce que ce matin avec lui, au directeur législatif. Mais comment on peut être député dans un troisième mandat illégal? Vous attendez. Mais comment vous voulez que l'argent rentre dans vos caisses? Vous voulez que l'argent rentre dans vos caisses? Vous voulez que vous voulez avoir des députés? Vos députés, ils peuvent changer quoi encore? Ils peuvent rien changer. Vos députés ne peuvent rien changer en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que vous êtes... Vos Soro Kibafori Diom ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais Mali, Mali, Mali Burkina, écoutez, on dit Soro Diom ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne sert à rien d'écouter Soro pour le coup d'état que vous préparez contre Ouattara. Babo aussi ne peut rien changer. Vos députés peuvent changer quoi en Côte d'Ivoire? Ils peuvent rien changer. Vos députés ne peuvent rien changer en Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que vous êtes... Vos Soro Kibafori Diom ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Nos députés ne peuvent rien changer, mais vos Soro Kibafori Diom là, il ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Il ne peut rien changer. C'est un fuyard. Il est caché quelque part. Hein? Il ne peut même pas montrer son nez dehors. Il ne peut. Donc c'est lui là qui va venir renverser Ouattara en Côte d'Ivoire pour vous. Il ne peut pas sortir. Hein? Donc il est caché. Hervé Dédé, il est où? Il est où Soro? Est où? C'est un fuyard. Hein? Il est caché quelque part. Et il ne peut même pas montrer son nez dehors. Eh bien, j'ai dit, attention, les Burkinabés vous écoutent, hein? Les Maliens écoutent, ils sont là. Hein? Arrête. Hein? Il ne peut même pas essayer de sortir quelque part. Et jusqu'à son Franklin Niamsi l'a oublié. Et maintenant, il parle du Mali, hein? Il parle du Sénégal, il est devenu panafricaniste. Et il parle de tous les autres pays, sauf de son mentor Soro. Ah bon? Il a commencé à oublier Soro. Parce qu'il ne peut rien faire. Soro ne peut rien faire. Ah bon? Voilà les prisonniers. Les sous-toussous là sont en prison encore. Hein? Les Zié là, ils ont fui. Et? Parce qu'il ne peut pas rester là-bas. Soro ne peut rien faire pour eux. Hein? L'adjudant Beugré. Hein? L'adjudant Beugré, celui de. Comment on appelle? Hein? Celui de Fresco. Hein? Quel est son nom là-même? Alain Lobognon. Hein? Il a dû fuir Soro. Et? Pour aller s'adonner à Alassane Dramane Ouattara. Ah parce bon? Qu'il n'y a rien là-bas. Hein? Il n'y a rien là-bas. L'autre Soro, qui était Kani. Président du GPS que vous avez jeté, ou bien Annecy, ou bien quoi, il avait créé un parti moribond là. Lui aussi, le frère qui est handicapé. Hein? Le handicapé, quand il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché de comment on appelle? De Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il peut, il sait que Soro ne peut rien faire pour lui. Soro ne peut rien faire pour lui. Donc nous, on est parti être députés là. Et il faut encourager ça. Sinon, quand Soro Kibafori Diom a voulu présenter un maire à Bobo, ils ont enlevé son, comment on appelle, son chargé de mobilisation. Ils sont allés l'assassiner. Soro a fait quoi? Hein? Tiefou. Connais Tiefou. Quand tu connais Tiefou, devait être maire à Bobo là. Ils ont enlevé son chargé de mobilisation ou son quoi là. Ils l'ont enlevé, ils sont allés le tuer. Soro a fait quoi? Le petit Soro qu'ils ont tué à Korogo ou à Ferkese Dougou là. Soro a fait quoi? Oui, il s'appelle Kanigi Soro, merci. Nel Luther, merci. Kanigi Soro. Celui qui était handicapé. L'homme de Soro, quand il est sorti de prison, il allait directement. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Partagez. Montez le mercure, partagez. Qu'est-ce que Soro a fait? Oui, on se met avec Ouattara, on se met. Mais quand Soro se mettait avec Ouattara, là, vous n'avez pas vu qu'il est sa dangerosité? Vous n'avez pas vu ça? Quand Soro adulait Alassane Dramane Ouattara, là, et il était prêt à éventrer, à égorger, à décapiter, enterrer les gens vivants, à en mettre les gens dans le conteneur sur le soleil là. Vous n'avez pas vu la dangerosité de Alassane Dramane Ouattara à ce temps-là. Ah bon? À ce temps-là, vous ne voyez pas comment Alassane Dramane Ouattara était dangereux. Ah bon? Ce n'était pas dans votre tête. C'est aujourd'hui où vous voyez.
C'est aujourd'hui, vous savez que c'est le PPACI hein, qui accompagne Alassane Draman Ouattara dans son troisième mandat. T'es sérieux? T'es sérieux là? C'est le PPACI. Mais le troisième mandat, là, Soro a trouvé ça là. Tellement, quand vous voulez critiquer les gens là-même, est-ce que vous connaissez l'histoire même? Donc Soro qui bafoure de nous. L'élaboration de la... Il a été contraint à démissionner. Les Maliens, écoutez, Hervé Djédié qui est chez vous, les Burkinabés, écoutez, les Hervé Djédié disent que Guillaume Kibafori Soro a participé à l'élaboration de la constitution de la Troisième République, ce qui permet au président Alassane Ouattara de briguer un premier mandat de la Troisième République. Donc, vous savez tout ça, vous ne dites pas ça aux Maliens. Tous les jours, Ouattara fait coup d'état. Ouattara. Alors, il y a fait à la coup de ma nouvelle gosse. Eh non, il y a trois, il y a quatre gosses sur le fond. Il y a fait à la coup de une, deux, trois. Et... Bon, il y a fait, je m'en fous, mais toutes ces vidéos seront balancées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Alors, écoutez encore, Hervé Djédié dit que Guillaume Soro, qui va mentir au Burkina Faso, au Niger et au Mali, qu'il a participé à l'élaboration de la constitution de la Troisième République, ce qui permet au président Ouattara de briguer un premier mandat de la Troisième République. Donc, vous êtes des hypocrites au Mali. Vous êtes des hypocrites au Burkina. Vous êtes des hypocrites partout. Envoyez ça chez les Burkinabés, les Maliens. N'insultez pas les Burkinabés et les Maliens. Montrez-leur leur vrai visage et le combat qu'ils mènent là-bas. Allons-y, Hervé Djédié. C'est aujourd'hui, vous savez que c'est le PPA. Enterrer les gens vivants, en mettre les gens dans le conteneur sous le soleil. Là. Vous n'avez pas vu la dangerosité d'Alassane Draman Ouattara à ce temps-là. À ce temps-là, vous ne voyez pas comment Alassane Draman Ouattara était dangereux. Ce n'était pas dans votre, tête. C'est aujourd'hui où vous voyez. C'est aujourd'hui où vous savez que c'est le PPACI hein, qui accompagne Alassane Draman Ouattara dans son troisième mandat. T'es sérieux? T'es sérieux? C'est le PPACI. Mais le troisième mandat, là, Soro a trouvé ça là. Tellement, quand vous voulez critiquer les gens là-même, est-ce que vous connaissez l'histoire même? Le troisième mandat, Soro a trouvé ça là, ce qui veut dire qu'il a participé à l'élaboration de la constitution de la Troisième République. Soro Kibafori Diom, il a été contraint à démissionner en quelle année? En quelle année? Le troisième mandat a commencé, comment on appelle? Je veux dire, l'autre mandat d'Alassane Draman Ouattara a commencé quand? Son deuxième mandat forcé là, ça a commencé quand? Ça a commencé après 2015. En 2015, il est venu encore se présenter. Et il a forcé, il a triché pour être encore président. Et Soro? Mais vous étiez resté là. Soro, Bafouridium, était avec lui. Donc Soro nous a accompagnés dans notre tricherie. Comme aujourd'hui, il veut le pouvoir, il va nous salir au Burkina. Allons-y, moi j'ai dit... Le même criminel dont vous parlez là. Soro était encore avec lui. Jusqu'à après, les Doboblé étaient en prison. Ah bon? C'est quand ça a commencé à péter dans votre camp. Quand ils ont commencé à demander à Soro Kibafori Diom de démissionner par la force. Et puis il a démissionné. Et puis vous avez commencé à voir des drones partout dans le ciel. Vous avez commencé à avoir la peur de votre vie en disant Soro, on veut le tuer. Voici le drone qui passe au-dessus de la maison de Soro. Attention, Soro est pourchassé. Attention, Soro est poursuivi. On veut le tuer. On veut le tuer. Puis la fuite pour venir se cacher en Europe. Là. Les Maliens, vous ne connaissez pas ceux-là. C'est moi, je les connais. Ils ne s'entendent jamais. Vous les voyez. Donc, vous voulez qu'on donne pouvoir à des groupes de personnes qui ne se contentent jamais. On va, ouais. Soro... Des drones partout dans le ciel. Oui. Vous avez commencé à avoir la peur de votre vie. Oui. En disant Soro, on veut le tuer. Voici le drone qui passe au-dessus de la maison de Soro. Attention, Soro est pourchassé. Attention, Soro est poursuivi. On veut le tuer. On veut le tuer. Puis la fuite pour venir se cacher en Europe. Là. Attends, on peut pourchasser quelqu'un comme ça. Hervé Djédié, il faut viser encore. Les Maliens n'ont pas bien compris. Allons-y. Vous avez commencé
hein, à avoir la peur de votre vie en disant Soro, on veut le tuer. Voici le drone qui passe au-dessus de la maison de Soro. Attention, Soro est pourchassé. Attention, Soro est poursuivi. On veut le tuer. On veut le tuer. Puis il a fui pour venir se cacher en Europe. Là. C'est à partir de là que vous avez compris qu'Alassane était mauvais. Alassane Draman Ouattara était mauvais. Mais sinon, vous étiez tous derrière lui. Vous, à ce moment-là, vous ne saviez pas qu'il était mauvais. En ce moment-là, vous ne saviez pas que c'était quelqu'un à ne pas suivre. Vas-y. En ce moment-là, vous ne saviez pas qu'il tuait les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Merci beaucoup, mon colonel. Mon commandant, le général Togo Blé Sankara Babou. Merci beaucoup. Alors, nous allons appeler Fakolida Ba Fakolida Tchadjougou. Soulé, oui, bonsoir. Des gens qui ont passé leur temps à mentir, à gaver des preuves pour dire que oui, Ouattara va tomber demain. Ah, attends, 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 attends. Attends, non, Soulé, non, non. Les Burkinabés t'écoutent, hein. Soulé, arrête ça. Parce que vous avez dit à Ibrahim que vous allez créer une base là-bas, puisqu'il y a un mémorandum qui a été signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce qui permet au Mali de ne plus accepter qu'une déstabilisation vient de leur pays. Et vous êtes parti rassurer Ibé que grâce à Soro, et vous comptez sur le pro-Gbagbo, que c'est le pro-Gbagbo qui vont vous aider dans votre combat, puisque Soro n'a pas de militants, à renverser Ouattara. Donc, tu es en train de nous dire ici, les Burkinabés qui se suivent bêtement, que vous ne pouvez pas renverser Ouattara, donc vous les manipulez. Et donc, tout ce combat que vous faites là-bas, au Mali, au Burkina, toi, tu dis, tu consultes les pro-Gbagbo, et tu viens nous confirmer ici que les pro-Gbagbo ne peuvent pas enlever Ouattara. Mais pourquoi aller vous fatiguer? Pourquoi aller emmerder Ibrahim Traoré? Pourquoi aller emmerder Assimi Goïta? Soulé, arrête. Ou bien, soit tu es là-bas pour monétiser ta page pour manger. Arrête, Soulé. Les Burkinabés t'écoutent. Il y a beaucoup de fans là-bas. On écoute. Des gens qui ont passé leur temps à mentir, à gaver des preuves pour dire que oui, Ouattara va tomber demain. Mais comme ils ont perdu tout espoir, lui, son espoir, c'est le coup d'État. Que Ouattara tombe, il va rentrer au pays. Et parce que Babo est rentré au pays, tu ne peux plus rentrer au pays. Ah, donc c'est... Attends, mais c'est ce que tu as fait. Attends, attends. Parce que mal... Vous tous vous attendez coup d'État. Attends. Donc, toi, où les pro-Gbagbo, vous tous êtes au Burkina, Mali, là. Donc, c'est un coup d'État, vous attendez contre Ouattara. Mais, Soulé, est-ce que ce coup d'État aura lieu? Donc, si ce coup d'État n'aura pas lieu, bon, pourquoi tu vas faire rêver les gens au Mali? Pourquoi tu vas mentir aux Maliens et aux Burkinabés? Ils te regardent. Ils sont étonnés de voir cette vidéo. Regarde, il y a un qui est en train de m'écrire. Il dit, là, il dit, c'est quand? Il dit, il y a un mois ou deux mois de cela. Il n'y avait pas longtemps. C'est moi, il a mis stop. Sinon, ça continue, hein. On continue. C'est le coup d'État que Ouattara tombe, il va rentrer au pays. Des gens qui ont passé leur temps à mentir, à gaver des preuves pour dire que oui, Ouattara va tomber demain. Mais comme ils ont perdu tout espoir, lui, son espoir, c'est le coup d'État. Que Ouattara tombe, il va rentrer au pays. Parce que Babo est rentré au pays, tu ne peux plus rentrer au pays. Donc, il ne peut plus rentrer. Parce que tu sais ce que tu as commis comme crime. C'est que Malice Babo est rentré en Côte d'Ivoire, tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il est un criminel, c'est ce que tu dis. Absolument, tu parles là. C'est cassé en Côte d'Ivoire, il a envoyé une photo. Gadi, il est en Côte d'Ivoire, il a envoyé une photo. Façon que si elle est en Côte d'Ivoire, il y a une photo. Ah bon? Mais bizarrement, tu es le seul pro-Babo. Alors que tes amis sont en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rentrer. Mais il faut rentrer au pays. Mais tant pour toi, là. Tu vas être, quand Babo rentre au pouvoir, là, pour le pouvoir, tu seras comme un grand son gars du corps. Mais toi, tu es malade. Tu es vraiment malade. Non, parce que quelqu'un, on le nomme même c'est sécurité, la sécurité de PPACI. Toi, tu veux frapper qui? Toi, tu peux frapper qui même d'abord? Quand tu te vois, tu es gonflé, un petit gros comme toi, tu peux frapper qui? Hein? Tu penses que c'est le vu, ta forme de le vu là, qui est dans toi. Tu peux frapper qui? Toi, un bon pandé là, tu tombes dans la foule là-bas. Toi, tu peux frapper qui? Attends, Soulé. Toi, tu as dénigré le général. Le général Dogo Blé Sankara Babo Hervé Djédié. C'est lui qui a dénigré quoi? Il est considéré au Mali. Au Mali, on l'appelle général. Attends, il a donné son nom. Attends. Au Mali, là. Il s'appelle général Djédié. C'était l'appel chef Hervé Djédié. On peut humilier un général comme ça au Burkina, au Mali? Donc, toi, tu dis que c'est le vide et dans le corps d'Hervé Djédié. On lui donne un pandé, il dort. Donc, vos coups d'état, là, ça. C'est que vous êtes hypocrite au Burkina. Vous êtes des hypocrites. Donc, Hervé Djédié rêve d'un coup d'état contre Ouattara pour entrer. Toi aussi, tu rêves d'un coup d'état contre Ouattara pour entrer. C'est pourquoi vous êtes au Mali, au Niger ou au Burkina. Donc,
coup d'état là même, vous même vous ménagez ça entre vous. Ouattara dit ça va, et vous vous battez. Donc, cher Malien Burkinabé, si le président Ouattara quitte le pouvoir et il donne le pouvoir à ceux-là, ils vont tuer tous vos parents. Ils vont tuer tous vos parents. Ben, eh bien, il ne s'attend pas. Hein. Regardez, hein. C'est sous lesquels. Hein. Il y a dit il n'y a pas longtemps, hein. Sous les Hervé Djedje, écoutez ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ils vont là-bas pour aller vous mentir, pour faire croire qu'Alassane Ouattara veut renverser Ibrahim Traoré, que c'est Alassane Ouattara qui n'aime pas le Mali, que c'est Alassane Ouattara qui n'aime pas ceci. Déjà, eux-mêmes là, c'est des vrais hypocrites. On continue, oui, sous le vas-y. Tu dis Hervé Djedje veut être gros bras de Gbagbo parce que il atteint un coup d'état contre Ouattara. Mais c'est un fainéant, c'est un vaurien. Donc si on le donne un pandé, il dort. Vas-y. Alors que tes amis sont en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas rentrer. Uh-huh. Mais il faut rentrer au pays. Hey. Mais tant pour toi, là. Uh-huh. Tu vas être, quand Gbagbo rentre au pouvoir, uh-huh. Tu vas prendre le pouvoir, ça sera comme un son garde du corps. Uh-huh. Mais toi, tu es un malade. Toi, tu es vraiment un malade. Ah bon? Vas-y, quelqu'un, uh-huh. Le nom même, c'est sécurité, uh-huh. La sécurité de PPACI. Toi, tu peux frapper qui? Tu peux frapper qui? Tu peux frapper qui, même toi, d'abord? Quand tu vois tes gonflants, un petit gros comme toi, tu peux frapper qui? Hein? Tu penses que c'est le vu, ta forme de le vu, là, qui est dans toi? Tu peux frapper qui? Toi, un bon pandé, là, tu tombes dans la foule, là-bas. Toi, tu peux frapper qui? C'est ça, là, après, il dit qu'il se joue le gros bras. Il se joue le gangaba dans le PPA, il se joue les dangereux. Soule, arrête de dénigrer notre général. Actuellement, il est considéré au Mali. Hein. Il est considéré au Burkina. Arrête de le dénigrer. Comment tu as le donner un pandé? Oui, vas-y. Hein? C'est juste dangereux. Ah bon? C'est-à-dire que lui, sa force qu'il devait prendre pour combattre les rébelles, uh-huh. Selon lui, là, uh-huh. Fait mitis, et puis la fuit, uh-huh. C'est sûr qu'il fait ça à Paris. Uh-huh. C'est juste que tu es à Paris. Uh-huh. Donc, pour lui, quand il va rentrer au pays, uh-huh. Gbagbo sera au pouvoir, il sera le garde du corps de Gbagbo. Mais ouais, c'est malade. Attends, toi. C'est dans toi-même, tu attends un coup d'état aussi contre Ouattara pour rentrer et puis porter tes sébagos. Faut dire ça aussi. Faut dire ça au Burkina, au Malien. Donc, vous tous, vous êtes en attente de coup d'état au Mali, au Burkina et au Niger. Donc, c'est ça qu'on est en train de dessiner pour vous démontrer là. C'est-à-dire, on a pris l'exemple, Ouattara n'est plus là. C'est vous qui êtes là maintenant pour diriger maintenant vos coups d'état. Voilà vos palabres là qui est là. Hein. Et pourtant, vous allez mentir au Mali là-bas. Tout le monde que tu as gardé de Gbagbo au palais présidentiel. Hein? Faut oublier ça. Ah bon? C'est dans un autre monde que tu seras garde du corps de Gbagbo Olorun en Côte d'Ivoire. C'est dans un autre monde. C'est pas dans ce monde où, dans lequel nous sommes là. Hein? Si ton rêve, c'est de venir te lever garde du corps de Gbagbo Olorun, tu vas faire trahir. Et si le général, tu vas ici garde du corps de Gbagbo Olorun. Tu te trompes, mon frère, tu te trompes. Il faut revenir à la réalité. Le temps que tu as le temps où vous étiez au pays, au pouvoir, et puis vous, tu jouais les miliciens dangereux, les Tangoros, tout là. Le temps est fini. Hein. Le temps où tu avais les Kalachnikovs en bandoulière, et puis tu jouais les Zigeuners au quartier. Là. Et puis vous pouvez allumer les gens sans problème. Le temps est fini. Ah, donc ça existe. Et puis ça n'a rien dedans. Hein? Tu es trop fâché, tu vas abuser. Donc ça existe les manières de Burkinabé. C'est les civils qui portent les télécoms, et puis ils font les vidéos tout. Mais je suis d'accord. Mais un guerrier plein. Uh-huh. C'est Mexique qui internet pour dire que lui, il a été général, il a été colonel, puis il va venir dire non, il va menacer le pouvoir de M. Ouattara. Vas-y. Uh-huh. C'est ça que nous dénonçons. Uh-huh. Que vous, les miliciens qui étaient sous Gbagbo, uh-huh. En Côte d'Ivoire, là, uh-huh. vous ne pouvez pas nous apprendre quelque chose. Uh-huh. Vous qui avez tué, éliminé des pauvres innocents en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas nous donner des leçons. Uh-huh. Donc, sous les toits, tu sais que ceux-là, ils ont tué des Burkinabés, des Maliens. Et des innocents. Et toi, tu vas faire équipe à lui au Niger. Sachant bel et bien que Ouattara n'est pas là. Vous n'allez pas vous entendre. Mais pourquoi vous allez embêter Assimi Goïta? Pourquoi vous allez embêter Ibrahim Traoré? Hein? Écoutez. Que vous, les uh-huh. miliciens qui étaient sous Gbagbo. Uh-huh. En Côte d'Ivoire. Là, uh-huh. Vous ne pouvez pas nous apprendre quelque chose. Hein? Vous qui avez tué, éliminé uh-huh. des pauvres innocents en Côte d'Ivoire. Uh-huh. Vous ne pouvez pas nous donner des leçons. C'est ça qu'il s'agit. Hein? Il n'y a pas autre chose derrière. Uh-huh. C'est un recadrage. Laisse, on ne peut pas monter le coulard pour aller faire sacrifice. Voilà pourquoi tu as donné explication, tu as donné pour moi. Hein? Donc, manipuler pour dire non, que ceux de Paris attaquent Gbagbo Olorun. Non. Allez Gbagbo dedans. Hein? Gbagbo n'a rien à voir dedans. Mais tu es un manipulateur. Mais attends, si tu dis, sous le sens, c'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas dire qu'il avait des calages et qu'il avait des munitions pour tuer les Burkinabés, les Maliens et des innocents. Et qu'on doit enlever Gbagbo, mais on comptabilise ça sous Gbagbo, puisque tu dis Alassane Ouattara armé des badauds. Donc c'est Gbagbo qui les a armés. Tu attaques Gbagbo et tu mens devant les gens que tu n'attaques pas Gbagbo, que c'est Hervé Djedje. Mais c'est sous le régime de Gbagbo qui tuait ces innocents-là. De quoi tu parles? Tu parles de Gbagbo pour chercher tes clients là-bas, mais tu dis non, tu parles pas de Gbagbo.
Ah, arrête ça, Soulé. Tu es un manipulateur. Tu es jaloux. Tu es très, même de tes camarades, tu es jaloux. J'ai pas envie de mettre le nom de quelqu'un dedans. Je sais quoi, une fois, tu commandes mettre tes propres camarades là-bas. Je sais. Tu es trop jaloux. Hein? Tu veux que tu aies que tout. Tu veux être un égocentrique. Hein? Tout doit passer par toi. Et? Hein? Je suis le seul. Toi, tu es le seul de quoi? Tu es le seul de quoi? Hein? Lui, il est indispensable. Tu ne pas que le PPACI, ça, le PPACI ne peut pas fonctionner. Ça fonctionne très bien. Et tu apportes comme au PPACI. Tu apportes que la haine. Mais ça prend le temps, je dis, mais si vous voulez de sortir, qu'on va s'en parler. Mais il est ministre de là-bas, toi, attends. Toi, tu ne me connais pas comme ça. Il est ministre de là-bas, il est un imbécile comme toi ici. Moi, je veux te parler. C'est pas le PPACI à nommer un IA comme toi ici. Je veux te parler. Ah bon? Sinon, toi, tu n'es absolument rien. C'est parce que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont collé leur image à toi. Mais c'est les miliciens. C'est les miliciens comme toi, mais tu dis c'est les miliciens. Comment veux-tu qu'ils se débarrassent de leurs miliciens? Soulé. Sois un peu intelligent. Officiellement, tu sors, tu prends des dépositions vraiment, comment dirais-je, bancales, qui vont à l'homme, et puis même tu défies même l'autorité même de tes supérieurs. Hein? Et puis il n'y a personne pour te parler. Mais puis, elle ne peut pas te parler, moi j'ai te parlé. Ah bon? Si ils ont peur de te parler, moi j'ai te parlé. Hein? Si ceux qui t'ont nommé là, ils ne peuvent pas te parler, ils ne peuvent pas te recadrer. Uh-huh. Ils ne peuvent pas te dire non que lui, dans un parti, il y a une discipline là. Uh-huh. Parce qu'ils portent l'image du parti. Uh-huh. T'es nommé par les partis. Donc si lui il sort, nous attendons, on va le capter. C'est clair comme le bonjour. Hein? Parce que il a été nommé. C'est-à-dire que il faut. Je suis désolé. Connais Katina. Il a une fonction officielle au PPACI. Oui. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le 18 attendu. On finit dans 7 minutes. PPACI. Connais Katina a été nommé. Damana Picasse a été nommé. Connais Kwasiste a été nommé. Blaise Labs a été nommé. Oui, mais lui, il est nommé. C'est pas qui peut être nommé. Il est nommé. En France, il y a eu une coordination en France. Reconnue en Côte d'Ivoire. Il y a la section jeune. Lui aussi a été nommé en PPS. Mais c'est le parti politique. Il nomme les gens comme il veut. Sa voix n'est plus la voix d'une personne ordinaire, d'un activiste ordinaire. Mais ils le savent. Ils en connaissance de cause. Oui. Donc c'est le parti qui laisse faire alors. Oh là. Donc, ça veut dire que c'est le parti du PPACI qui les laisse faire. Mais c'est que tu as compris pourquoi il attaque maintenant. Il n'a pas dit que non. Et comment dire, il faut attaquer l'individu seul. Mais il parle en qualité de qui? Il parle en qualité de membre du PPACI, coordination 93. Quand il met sa vidéo là, il ne parle pas en son nom. Il parle, même le lien entre lui et, même, et comment dire, Nati Bamba, et entre lui et Babolo, entre tout. C'est-à-dire qu'il mélange tout. C'est à vous de lui dire. Mais comment? Qu'il parle en son nom. Mais attends, est-ce qu'il t'oblige d'aller prendre la vidéo? Il se déporte pour aller à la CPI. Est-ce qu'il y a un membre, est-ce que le PPACI a demandé à ses militants d'aller s'associer à cet événement? Oui, c'est eux qui l'ont envoyé. Hein? Est-ce que le PPACI a demandé? Oui. A demandé que les gens puissent, comment dirais-je, ces militants puissent aller dans un événement? Je ne pense pas. Mais sous l'état, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Le PPACI est dans une discipline. Mais dans le PPACI, il y a des personnes. Moi, par exemple, je ne suis pas nommé au GPS. Je n'ai pas les fonctions. Dès l'instant, je fais une sortie. Et même quand je ne suis pas nommé, il y a des sorties que je ne fais pas. Mm. Parce que je me dis que c'est bon, ça peut porter à confusion. Non. Hein. Dit, ah, monsieur, il n'est pas là, vraiment. Quand il parle, tu vois. Et c'est, voilà. Donc, ça peut, pourtant, alors que je n'ai pas de nomination, je n'ai pas de rôle, je n'ai pas de fonction du GPS. Mais j'ai fait attention à me dire. C'était pourtant. T'as sous le moins, c'est leur parti politique. Qui est loin par les partis. Et qui sort et qui s'attaque à tout le monde. Mais c'est la partie. On ne veut pas le dire. Vous dites qu'ils vous ont jamais. Non, on ne le sait pas. Les responsables du PPACI, Franck, pas dit que non, qu'ils ont peur de lui. Parce que lui a venu cadre pour les citer. Parce que j'ai vu, il n'est pas passé. Il y a une dame qui a dit, qui a demandé, au cours d'une rencontre avec Awa Bemelo, a demandé que les sorties vidéo sur la toile, ils doivent cesser, ils doivent vraiment changer de paradigme. Mais Soulé, attends. Que c'est pas ça la solution, répond. Ils t'ont jamais demandé d'aller prendre les vidéos de Babo, t'es venu faire tes bêtises. C'est leur parti politique. C'est eux qui l'ont nommé et ils l'assument. Et il est venu te dire ce que tu voulais pas entendre là. Quand Hervé Djedje dit que de dire à ton Soro qu'il est comptable du troisième mandat là, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore oublié. Quand il dit que eux là, ils peuvent pas contre Ouattara, c'est Soro, ils cherchent. Tu as entendu tout ça et t'es allé foutre ton nez là-bas. Ils t'ont pas appelé, hein. C'est leur parti. C'est toi, tu dois, attends, toi, tu dois expliquer à un parti politique comment ces militants doivent se comporter. Mais les gens ont toujours marché dans le désordre. Ils ont été toujours dans la revanche. Et tu te plains.
Va là-bas, ouais. Le chien attaquer les gens, c'est pas ça la solution. Mais il est sorti d'attaquer la femme. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Mais oui. Il est sorti. C'est comme moi sur le Paris. Le GPS va faire une communication. Moi, j'ai sorti, il a attaqué les membres du GPS. Mais c'est eux qui gèrent les parties. Je ne sais pas. Où est-ce que je suis indiscipliné? Toi, mais donc, si chez vous, il y a quelqu'un qui puisse être nommé. Mais attends, soit c'est pas ton parti. Vos cadres, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est que vous n'arrivez pas à le mettre. Tout le monde, vous l'avez nommé. Ouais. C'est un militant, mais parmi tant d'autres, on peut le désavouer. Vous pouvez dire, bon, lui, là, on s'en fout parce qu'il n'est pas dans notre bas, il n'est pas avec nous. Ou bien, il n'a pas de poste, il n'a pas d'affiliation, il n'a pas de fonction au sein de notre parti. Ça, on peut l'avancer. Mais quelqu'un qui a une fonction officielle dans votre parti, oui, et qui prend toujours, il fait toujours des sorties de route, et vous ne pouvez pas le recadrer de lui dire notre parti est un parti discipliné. La fonction que tu occupes peut porter à confusion, comme si c'est nous que tu avons envoyé. Mais, attends. Tu peux le lui dire. Mais si vous ne voulez pas le lui dire, moi je vais le lui dire. Ah bon? Et je vais sortir comme ça pour le recadrer. Ah bon? Je n'attaque pas le président Babolo. Mais j'attaque un individu qui a été nommé par le PPACI et qui prend les fagnons, qui prend les attributs que le PPACI lui donne pour venir s'apprendre à nous. Ah oui? Nous ferons face. Mais c'est ça... clair comme le bonjour. Nous ferons face. Donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui. Si mes sorties, si ma sortie. Mais tu viens juste sortir tout ça pour moi. Moi, je n'ai pas vu à Babolo là ici. Pourquoi tu viens juste. Moi, je n'ai pas vu à citer Babolo là ici, non. Moi, il y a les vidéos. Il y a les vidéos. Toi, tu n'as pas vu à Babolo. Il y a les vidéos. Arrête de dire des bêtises. Tu peux dire ça sur ta page, mais pas devant moi. Dis ça. On fait la vague tout de suite. Il y a un individu là-bas qui a été nommé officiellement par le PPACI et qui veut, comment dirais-je, faire du tic tac avec nous en communication. Nous sommes partants, nous sommes prenants. Et tu l'as moi, j'ai des camarades qui m'ont dit non, qu'ils ne sont pas d'accord avec ma démarche. Je respecte les positions parce qu'ils ne me connaissent pas comme ça. Ils savent que je suis tout dans la pondération, dans la conciliation et la modération. Tout ça pour ne pas gâter son mais sorti de mes camarades m'ont dit non pour laisser tomber sur le tout. Oui, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Et le message n'est pas passé dans la tête. Non. Nonobstant ma compréhension, nonobstant cette compréhension, j'ai atteint mon objectif que je voulais atteindre pour le moment. Pour le moment. Parce que j'ai vu que maintenant, le discours est en train de tempérer son discours. Il attend dans l'instant, il va venir d'une manière virulente. On va monter en puissance, en virulence. Avant ça. C'est-à-dire que je vais équilibrer à chaque fois qu'il va, sortir. Si le discours il est virulent, la réponse sera virulente. Si l'attaque est directe, la réponse sera directe. Ce sera du tic au tac. Ah bon? Que ça claire. Pour qu'il sache au moins que lui, tout vos combats sont répondre au PPACI en tant que membre et en tant que. Comment dirais-je, personne nommée, moi j'ai pas de compte à la GPS. Ah bon? Puisque je n'ai pas de nomination, je n'ai aucune fonction. Quand on a des attributs dans un parti politique, on respecte ce parti politique. Attends. Quand on a une fonction au sein des partis politiques, on doit suivre à la règle, comme un militant discipliné, les règles de ce parti. Mais quand vous avez affaire à un individu désordonné et qui pense que lui il a une caméra, il peut allumer pour attaquer les cadres de PPACI et que de quoi on perd de lui. Si lui porte 2 couilles, moi j'en porte 4. Si il porte 4 couilles, moi j'en porte 6. Que je ne reculerai pas face à lui. Je ferai face. Ok. Merci, c'est beau. Alors nous allons appeler ici Amiral Blindé. Oui, Domwadou, bonjour. Vous les xénophobes là. Parti xénophobe de Côte d'Ivoire là. Vous, à la tête de M. Babo Laurent là. Je vais vous donner votre pièce d'identité là. Il y a vous. Mais c'est pas toi qui as dit avant hier aux Maliens que Gbagbo était bon qu'Alassane Ouattara. Non, toi, t'es un hypocrite. C'est pas toi qui as dit au Burkinabé que c'est Ouattara qui a fait les 3 mimos. Après, tu dis c'est Gbagbo. Mais donc, aujourd'hui, Gbagbo est xénophobe. Et tu vas faire équipe avec eux au Mali, au Burkina. Aïe à la main. Allez le bas, voilà, ni. Que Gbagbo est xénophobe, boulé. Mais allez, quel est le bébé où tout le monde est Mali, là, quand on fait Mali, on y est. Que Gbagbo a fait ça, ni Alassane. Abou, Abou est là. Vous les écoutez. Vas-y. Donc, Gbagbo est xénophobe. Ah, d'accord. On ne. Vous les xénophobes, là. Parti xénophobe de Côte d'Ivoire, là. Vous, à la tête de M. Gbagbo Laurent, là.
Je vais vous donner votre pièce d'identité là. Je vais vous donner aujourd'hui. Je vais poser une question ici. Oui. Depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire là, montrez-moi, dites-moi, c'est dans quel temps, c'est-à-dire, comment on peut dire ça, mais bon, c'est pas grave. Et je vais trouver une porte de sortie. C'est-à-dire, c'est dans, qu'est-ce qu'il y a? Viens voir. Hey, j'ai dit, oh, ah, blé, ah, non, je suis un 10. Français, mais pour ouais, 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 mon pour. Hein? Mais il y a trouvé un mot là. Dites-moi, c'est dans quel. C'est. Hey! Hey, hey! Hey, c'est ça! Français, là, vous sortez, c'est ça. Non, c'est chaud. Non, Elie, c'est Aguana qui est Aguaré. Non, je ne l'ai pas, Lina. Ninga te gré bon kuna. Dis-moi. Elle est là-bas. Elle a. Quelle fois la tu vois quand vous le dites vous? Il sait le mot. Ils sont tous incohérents. Voilà, quelle époque. Hein? Voilà, merci beaucoup, mon frère. Attends, c'est qui a écrit ça? Le Seigneur Koulibaly, merci beaucoup. Hein? J'ai dit. Tiens, ça aussi. C'est compliqué. Lui, un enfant. Ni ma faux fable. J'ai dit. Abonnez-vous massivement ici. Tiens, moi, ça c'est la bonjour, connais Ben. Moi, je suis à toi. Bonjour, Beau. Il appelle les nouveaux Beau maintenant. C'est mes Beau. Il cherche mot là. Il cherche mot là. Hé, hey, Tomba. Connais au moins Beau Djola. Ah, mais Beau Djola, ben. C'est l'incohérence. C'est à quelle époque, voilà. Voilà, c'est à quelle époque, merci beaucoup. C'est à quelle époque, ils ont tué plus d'étrangers en Côte d'Ivoire. C'était dans l'époque de qui? C'est-à-dire qui était au pouvoir en Côte d'Ivoire et puis les étrangers en Côte d'Ivoire là ont été plus tués. Merci beaucoup mon frère Arturo. Je vous pose la question. Hein. Bah ici là, c'est pas magie. Arturo m'a aidé. Merci beaucoup mon frère. Le jour on se voit, il va te donner quelque chose. Voilà, parce que Iwana m'a à Bonyakache. Tu n'attends pas. Donc moi là, tu ne veux même pas ça. Et c'est toi qui dis. Moi je suis Koyara. Et c'est toi qui dis. Voilà, moi je suis Koyara. Donc voilà. C'est dans quelle époque? C'est-à-dire, c'est, hey, Abdoulo, tu m'avais aidé, mais c'est gâté encore. T'es gâté. Dites-moi, c'est dans quel temps hein? D'un président ivoirien, voilà, on va parler terre à terre, que les étrangers ont été plus tués? Moi, je vous pose la question, hein. Hein? École manque là, toi, tu es ici. Vos gars là, merci beaucoup. C'est sous Bago. Bon. Ceux-là, les étrangers, là, avant de les tuer là, à l'époque, là, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous, les étrangers, là, vous, les Boyerodiens, là, on va vous tuer. Et puis, je vais vous dire, les gars ne tuaient pas Béninois, ils ne tuaient pas Togolais, parce que eux, les accoutrements, et puis pour eux, là, c'est la même chose, parce qu'ils ne portent pas Boubou. Ils ne tuaient pas Gagnier, mais ceux qui tuaient, là, ceux qui avaient le même nom que nous, les Nordistes, Milou Tumewore, la cause du là, nous. Oka Guinée-Fra. Est-ce que vous entendez? Il dit, lui là, lui qui est au Mali, au Burkina, il dit, pour répondre à Evangéjé, que Gbagbo tuait les Maliens, les Burkinabés. Moi, je pouvais le dire, je vous ai prouvé, avec des preuves. Il vient confirmer tout ce que je suis en train de dire, qu'ils sont dans la manipulation au Mali, au Burkina et au Niger, alors qu'ils ne s'entendent pas. On écoute toujours. Oka Malien-Fra, Oka Burkinabé-Fra, avant de te tuer même là, on te traite de Burkinabé. Et puis, il était tué, il était gars, au bifra. Mais, donc, moi, je suis là aujourd'hui. Quand je vois les vidéomans de PPA, c'est là. C'est-à-dire, Mena Aloua Goya, André Nana, salut. D'un manière, j'ai pris Alassane Ouattara, je l'envoie au Mali, là. Et je l'ai livré, tout le monde a parlé de lui, là. C'est le temps de Gbagbo qui est arrivé maintenant. Vous, là, vous devrez la fermer. Merci beaucoup. Je vais vous vendre. Et ce que je vais dire là, les gens peut-être qu'ils ont oublié au Mali, ils ont oublié en Guinée, ils ont oublié au Burkina, au Sénégal. Mais moi là, je vais faire revivre ça encore. Quand je vois les hypocrites, partout ils sont hypocrites. Les voix là, les partisans de Gbagbo là, partout ils sont hypocrites. Moi je suis venu avec Alassane Ouattara au Mali. Tout ce que j'ai dit de lui là, il allait le faire. Mais lui il n'a pas tué Malien. Peut-être qu'il était dans les trucs. Quand on a tapé sur sa main, il a laissé.
Oh, Soros dit, Amira Blindé qui est en train de mentir. Mais Amira, tu devais quitter la toile. Il dit, Alassane Ouattara n'a jamais tué Malien, jamais Burkinabé. Alors que vous-même, vous êtes là-bas aujourd'hui. Pourquoi? Oh, hein? Hein? C'est pas vrai. Il dit, lui, là, il allait le faire. Mais lui, il n'a pas tué Malien. Peut-être qu'il était dans les trucs. Quand on a tapé, si jamais il a laissé, il est quitté. Mais la personne qui a tué les étrangers en Côte d'Ivoire, là, quand Malien Djeni, c'est le cas de Gbagbo Laurent, là. Hein? Quand je le vois, et puis au peut oui, à Fonifemi, au Frente. Mais vous, vous êtes le même menteur. Non, pour on y a un mot d'indata, car de Mali, Kola, Burkina, Kola, et au Ben Koboy. Parce que c'est le premier xénophobe. Ceux qui ont, c'est-à-dire ceux qui ont occasionné la mort des étrangers, là. Hein? Parce que ni Yéla, même ni Drekiba, tout le il a. Beaucoup simple, au bifra. Quoi, parce que tu veux prendre leur pays. Hein? La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas plus que nous. Et d'ailleurs, mais vous n'êtes pas ivoirien. La majorité des supporters de Gbagbo là, vous n'êtes pas ivoirien. Hein? Étrangers-les à Lounia. Étrangers-là. Et puis maintenant, je vais sortir les vidéos. Maintenant là, moi, ma force, c'est que je parle bien le Bambara. Je vais voyager avec vous là-bas. Au Mali là, Nyanatana a bagage il est ni. Hein? On va aller un à Dakar Benyana. Hein? Quand je vois les gens, hein, Alassane Ouattara, c'est un criminel. Alassane Ouattara, c'est un criminel. Alassane Ouattara, il a son mauvais comportement. Hein? Mais Alassane Ouattara, il a mis cas de séjour. Mais Ouattara n'a jamais dit à ses militants de tuer les Ivoiriens, de tuer les étrangers parce qu'ils veulent prendre le pays. Ouattara n'a jamais. Dieu merci. Toi, tu as fait vidéo il n'y a même pas deux jours. Tu dis que c'est nous, on était mauvais. C'est nous, on veut déstabiliser le Mali. Mais nos crises avec le Burkina, moi, là, dit chérie, j'ai fait des vidéos de ne pas insulter des Burkinabés, de ne pas attaquer des gens. Parce que c'est vous, les menteurs de Soro qui êtes là-bas, à elle, les pro-babos. Et aujourd'hui, tu confirmes que l'Hadji Shérif dit vrai. Que l'Hadji Shérif dit que vos mensonges que vous avez envoyés au Burkina, elles ne vont jamais prospérer. Et c'est dans cette posture que nous sommes inscrits. Ok. Donc, nous, on n'a jamais tué de Burkinabé. Dieu merci, c'est que Ouattara est bon. C'est que c'est toi qui es un menteur et un manipulateur au Burkina, au Mali et au Niger. On continue. J'ai jamais dit ça. Mais autant de Gbagbo là, autant de Gbagbo Laurent là, ils leur donnaient à tuer les étrangers. Quels sont ces étrangers qui tuaient là? C'était les Maliens, Drekiba Dola. C'était les Burkinabés, Drekiba Dola. Et puis même là, ils tout gagnent à toi, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mali, c'est comme ça. Mali, c'est comme ça. Toi, Hervé Djégué, petit bâtard là, j'ai trouvé ta vidéo, je vais envoyer où tu disais que si Gbagbo revient là, qu'ils vont partir là, à tes temps, vous n'allez pas revenir quelque part. Parce que vous êtes qui des gandous, des gantras, des frivoles. C'est-à-dire, moi, j'ai mouroté dans quoi. Hein? Mais, pas je suis venu là. J'étais en train de parler, j'ai pas insulté Gbagbo. J'ai même pas parlé mal de lui. J'ai juste montré les vidéos, vous avez commencé à m'insulter. Mais vous, votre vidéo là, ils vont plus regarder encore au Mali. Hein? Parce que Nyenata a un dossier, il y a Malien là. Mon maître Louté est Pinedona. Car Pinedo Malien, quand la Kakeni Côte d'Ivoire, c'est ceux-là. Hein? C'est le parti de Gbagbo là. Et... qu'est-ce que vous allez nous dire ici? Mais vous tous êtes au Burkina. Je finis ma vidéo. Hein? Le vieux Alassane Ouattara. Hein? Soro là, c'est pas lui qui a tué les. C'est pas lui qui a fait les 3000 morts. C'est pas Guillaume Soro qui a fait les 3000 morts. Donc, tu as condamné Guillaume Soro d'abord pour la maison. Gbagbo Laurent là, il a son pied dedans. Hein? Si tu n'as pas reconnu en 2007 le pouvoir de Gbagbo bien en 2005, hein? Le pouvoir de Gbagbo là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. C'est lui qui a volé la maison et Guillaume Soro a été receleur. Donc, dossier là, tu mets dedans. Mais ce que je te demande ici. Donc, Soro, c'est un voleur et tu vas mentir aux Maliens, aux Burkinabés, qu'au Ouattara Brala. Hé, Tchégo là est joli, hein. Hé, pardon. Excuse-moi, Bago, c'est une fois là. Pardon. Excusez-moi, madame. Je demande excuse à vos maris. Elle a dit ton papa. Ta bouche là dit tout. Donc, tu es parti mentir au Mali, au Burkina. Alassane Bebala Soro, que Soro est innocent. Et là, tu confirmes que Gbagbo a volé une maison et il a donné à Soro. Soro, c'est un receleur. Et les deux ont avoir les mêmes peines.
Donc, Ouattara a raison sur Soro. Mais tu ne dis pas ça au Burkina. Et hier, yeah, tu es parti mentir au Burkinabé. C'est ça ton vrai visage. On continue. Bambo Laurent, là, il a son pied dedans. Si tu n'as pas reconnu en 2007, le pouvoir de Gbagbo vient en 2005, le pouvoir de Gbagbo, là, c'est Gbagbo qui était au pouvoir, c'est lui qui a volé la maison, et Guillaume Soro a été receleur. Donc, dossier ça, là, tu mets dedans. Mais ce que je te demande ici, ce que je te demande ici à la Samantra, il ne faut jamais, jamais mettre le nom de Gbagbo Laurent. Mais si tu dois le faire, il faut que le nom de Guillaume Soro sur la liste. Il faut que le nom de Soro là, il y a un qui n'a pas sonné. On va dire ça là, il y a un téléphone pour déposer. Soro là, il y a Soro là. Et puis les amis de Soro là, il y a là-bas. Tu as pris loi d'amnistie pour Simone Gbagbo. Et les anciens amis de Gbagbo Laurent, qui étaient les leaders Kouassi ou bien les leaders Adou, quoi là même là. Tous ceux-là, tu les as libérés. Sacré la vie. Non, on ne te dit pas, il faut prendre l'ordre. Mais qui gagne? Surtout sur le levé. Bama ça là, l'homme qui peut apaiser là, c'est toi. Il est le bête. Parce que si toi tu dis aujourd'hui, alors Soro, tu es où? Ah, je suis quelque part, le bien-être. Bon, je vais te voir ici en Côte d'Ivoire. Soro, il va pas, ça veut dire, il va rentrer, il va pas refuser. Mais si Soro décide aujourd'hui, tu souffles le sang et le foie. Au mouton, hein. Ceux qui viennent dire, ouais, Soro, c'est comme ça, il n'a qu'à venir devant la justice, là. Soro, là. Et puis, quand je vois des imbéciles aussi qui disent que non, Guillaume Soro disait à Blémoudé, il n'a qu'à rentrer au pays, s'il n'a rien à se reprocher. Nous, chez nous, là, au GPS, là, président Soro, là, a gagné, ça dit, un procès quelque part. Et Hassan Ouattara a dit qu'il ne reconnaît pas. Dans le mien. On va t'écouter ici, et puis après, on va mettre ça. Les migrants africains, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine, et depuis le retrait du Bénin, on va écouter ici, M. Kakatina. Oh. Si il veut, si Ouattara veut qu'on se réconcilie, parce que Ouattara a dit la fois passée qu'ils sont réconciliés. Donc Katina dit, s'il veut qu'on se réconcilie là, il n'a qu'à mettre les requêtes qu'ils ont fait là. Ils n'ont qu'à mettre le nom de Gbagbo d'abord. Donc, nous aussi, là, Guillaume Soro n'est pas contre la réconciliation. Hein. Si vous voulez qu'on se réconcilie vraiment, là, levez, il faut voir. Mais la pas veut pas. Pour soul dans le passé, là. Il faut voir. Voilà. Il t'a amené, quoi, qu'à Marfa, sans qu'à blafé. Il qu'à blaf. Donc, il y a un toque chien, Nafrani. Parce que moi, là, j'ai dit, hein, pour mes parents, parce que moi, là, ça dit, moi, je mène mon combat, je suis le loup solitaire. Je ne m'associe pas à quelqu'un. Je mène mon combat. C'est bon, c'est vous bon. Avez vos camarades là-bas. Bon. Moi, là, moi, j'ai coupé Papa Toya ça là pour aller mettre ça encore après. Les gens ont coupé tout, hein. Tout ce que je mets là, coupé, envoie au Burkina, au Mali. Alors, chers frères et sœurs, on est pris par le temps puisque nous devons parler de l'affaire Aïcha Koné. On va aller sur l'affaire Aïcha Koné et on m'impose sur ça. Et chaque semaine, nous allons ajouter un peu sur le Papa Toya des Soroïstes et les Gors qui sont au Mali. À la demande de nos amis burkinabés et maliens qui veulent écouter réellement cette communication des Soroïstes et les pro-Gbagbo. Pourquoi sont-ils en train de mentir sur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara? Bonjour, Awadramé. Comment tu vas? Pourquoi sont-ils en train de mentir? Salut à toi, Cléo Ouattara. Salut à toi. Salut à Mamadou Camara. Salut à vous. Pourquoi sont-ils en train de salir Alassane Ouattara au Burkina, au Mali? Voici l'une des raisons. Donc, j'espère que mes amis burkinabés ont tous écouté ces gens-là qui sont chez vous aujourd'hui et le Papa Toya reviendra à zéro sur leur sujet. Alors, cette semaine, nous avons vu la sortie de notre sœur, les gourous, et les respecte pas même, et c'est mes djons, d'une sœur qu'on appelle Christelle Nazerou. Cela a fait beaucoup de polémiques sur la toile. Mais comment est-ce que le conflit est arrivé? D'après les explications, c'est le couple Zombrot qui a été manipulé par Marie-Jeanne Tabo qui ont fait une vidéo et Aïcha Koné, d'après leur dit, est allée faire mettre un commentaire. Voilà pourquoi Christelle Nazelou est sortie pour venir répondre à Aïcha Koné qui ne se fait pas respecter, cher Malien, cher Burkinabé. Mais bien avant cela, Marie-Jeanne Tabo était au MGC
elle a fait une sortie où elle a insulté Madame Simone et Yves. Et ils lui ont demandé de venir demander pardon. Elle a refusé. Et en même temps, elle allait mentir. Salut à toi, ma belle-sœur Marie Adou. Elle allait mentir à Olivier Le Monac qu'il avait fait une vidéo dans laquelle où il aurait dit que M. Laurent Gbagbo aurait... qu'il avait accusé Gbagbo de ne pas faire quoi de funérailles, de choses, je ne me souviens pas trop. Et que cette vidéo, Annie Tchelé l'aurait envoyée à Simone Yves ou à Chose. Où il avait accusé Gbagbo ou Simone Yves. Alors que c'était une vidéo qui a été faite sur Afrique Média. La vidéo était faite de façon officielle. Donc, Annie Tchelé n'a pas envoyé de vidéo dans mes démonstrations à Madame Simone ou à Monsieur Gbagbo. Et Olivier Le Monac, qui, bon, je ne sais pour quelle raison, a commencé à détester Bleu Goudé et est tombé dans le piège de Marie-Jeanne Tabo. Donc aujourd'hui, ils sont en train de mener ce combat. Donc voilà un peu comment les choses se sont passées. En bref, alors, comment le palabre est venu? Vous allez écouter toujours le même coup, Zombrot, qui était les lèche-bottes des... Non, oh non. Attendez, attends, je ne t'ai pas encore donné la parole. Toujours le même couple Zombrot qui aujourd'hui sont en train de traquer Charles Bleu Goudé, dont elle est en train de parler du diplôme de Charles Bleu Goudé. Et Aïcha Kone, d'après ce qu'ils disent, est arrivée sur cette vidéo et allait mettre un commentaire. Comme d'habitude, Aïcha Kone a toujours encouragé les insulteurs, des gens qui passent leur temps à dénigrer les leaders politiques. Aïcha Kone est arrivée là-bas et Christelle n'a pas aimé. Elle a donné un droit de réponse. Mais là où est parti le problème, je vous fais écouter. Olivier Zombrot, le couple des Myrmidons. Oui, vas-y, Zombrot, on t'écoute. Bonsoir, Zombrot. C'est là que tout le palabre est parti. C'est sur ce direct-là qu'Aïcha Kone était. C'est parti, on écoute ce qu'elle disait dans son direct. Père son âme, le professeur Seri Bailly, qui a la qualité de gratifier ta licence ou la frapper de nullité. Mais tu le suivais là-bas, non? Entre ton avocat. Oui. Et l'éminent professeur Seri Bailly là, qui a la qualité de gratifier ou de frapper de nullité ta licence? Oui. Je pense que la réponse est très simple. Il savait que sa licence n'était pas bonne. Seri Bailly avait annulé sa licence, mais tu es parti donc, derrière lui. Pourquoi? Si je veux parler, je ne parle pas encore. Hein, je ne parle pas encore d'usurpation, hein, les amis. Non, c'est Est-ce que vous voyez là, dans le français que je parle? Elle dit que Bleu Goudé, c'est un usurpateur. Est-ce que c'est ton avocat qui va sortir pour confirmer que comme lui, il a été dans cette école, pour justifier, se faire passer pour le prétexte que comme lui, il a été dans cette école-là, donc l'école va montrer la fiabilité de cette école, va montrer la fiabilité de toi, ce que tu aurais constitué comme document. Non, ceci ne suffit pas. Parce que si je veux prendre ce que a dit le professeur Seri Bailly, qui a frappé de nullité et de caducité ta licence, entre lui et ton avocat, académiquement parlant, professionnellement parlant, c'est lui qui a grade et qualité de dire que tu es en capacité d'avoir une licence et que cette licence, ça serait partie même de ton bagage professionnel en vue de VAE qui va déboucher sur un MBA. Je parle de qui a qualité de frapper ta licence de nullité. Bon, c'est vous bien, sa licence, enfin, l'éminence grise Seri Bailly. Ils étaient en train de dénigrer la licence. Tu as été sur sa tombe il n'y a pas longtemps. Je vais vous apporter les preuves. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire une petite pause au milieu de ma démo et je vais vous envoyer les preuves ce soir. Oui. Je vous fais une vidéo que moi, quand on finit de m'insulter là, moi, j'ai une équipe qui travaille. Et quand je dis j'ai une équipe, j'ai vraiment une équipe. Oui. Et les preuves sont marquées, gravées sur cette toile. D'accord. Oui. Je crie. Quand tu regardes quelque part, tu peux créer quelque chose. Ce n'est pas à la Zombrot que vous allez dire ça. Parce que moi, j'ai déjà crié. Ah bon? Que vous le voulez ou pas, vous ne pourrez jamais faire ce que j'ai fait. Il n'y a rien à faire. Mais pourquoi tu étais là-bas et puis tu as quitté là-bas? J'ai cette fertilité créative-là. D'accord? Donc, tu as parti sur la tombe de Seri Bailly encore, sinon le prétexte de ton passage dans le village, je ne sais pas qui prêtait quoi. Que je m'en vais sur la tombe de mon professeur Seri Bailly. C'est grâce à lui que j'ai appris à parler l'anglais. Tu as pris ce prétexte-là pour aller là-bas. Et sur le terrain, tu as combattu encore ces fans qui prient. En fait, tu es toujours dans du faux. Adam Bleu Goudé est dans du faux. Mais pourquoi toi, tu étais derrière lui? Pour des raisons politiques. Mais tu as profité là-bas pour combattre
ces femmes qui prennent en disant oui, on est en politique, donc si vous devez voter quelqu'un, ne votez pas la personne pour son ethnie, ne votez pas la personne parce que la personne serait bêtée. Mm-hmm. Hors sujet. Ah bon? Hors sujet. Et le même Seri Bailly, tu penses que sa mémoire, là, on va te laisser souiller sa mémoire parce que tu es parti sur sa tombe pour guignoler? Seri Bailly a combattu ta licence et les traces sont restées. Ah donc, ta mise en scène que tu as été faite, hein, pour faire campagne, hein, pour rendre hommage là, non, à celui, hein, soi-disant, d'après toi, qui t'aurait appris à parler le français, le professeur Seri Bailly. Le même professeur Seri Bailly là, c'est lui qui a frappé ta licence de nullité. Tu dis quoi? Ah bon? Mais tu savais que ça t'était derrière lui? C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu dis quoi? Donc, monsieur n'est pas détenteur d'une licence. C'est la Zombrot qui vous le dit ce soir. Ah bon? Voilà. Monsieur, oui, il y avait Gégé et ton brisou brisaille. Monsieur n'est pas détenteur d'une licence. Confirmation des faits. Ah bon? Preuve, source, les écrits de l'éminent professeur Seri Bailly. Ah bon? Caducité, nullité d'un diplôme de licence soi-disant obtenu dans une école à Manchester. Qu'est-ce qui s'est passé à Manchester? Mon équipe est encore en train de travailler pour savoir ce qui s'est réellement passé à Manchester. Ah bon? Vous voulez que je frappe quoi encore? Oui. On t'écoute. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Non, t'écoute. Donc, tu es bien conscient du rôle. Du rôle important. Du rôle prépondérant. Du rôle noyau. Du rôle cellulaire. Dans ta marche académique, tu es conscient. Alors, comment voudrais-tu faire admettre, très cher monsieur? Oui. Ok. Voilà, le repère est de côté. Hein. Ok, merci. On a... Son mari. D'accord. Donc, Seri Bailly. Le nouveau Guesman. Il ne pouvait encore de me préciser qu'il était bien ministre sous le pouvoir Gbagbo. 2002. Voilà. Éminent professeur anglais à l'université. Oui. En anglais. Et professeur sous Gbagbo. Donc, c'est sous Gbagbo que ta licence a été frappée de nullité et de caducité. Donc, ceci date. Comment tu peux, de quel bagage es-tu muni pour aller faire une VAE en vue d'obtention d'un billet dans un temps record sans avoir fait une seule, un seul stage et prédit que tu vas chercher un colis à une date donnée? À qui veux-tu faire avaler ça? À qui veux-tu faire admettre ça? Aux populations du village là? Je ne crois pas. Ou alors par ricochet les Ivoiriens? Je ne crois guère. D'accord? Donc je vais essayer de faire passer un petit audio. Voilà. Même si tu fais semblant d'aller faire croire aux gens que tu serais reconnaissant du professeur Seri Bailly, celui-là qui n'a cessé de démontrer la caducité, la nullité de ton diplôme, celui-ci, on ne te laissera pas souiller sa mémoire. Mais toi, ce qu'il a dit dans tout va ça, rester. Ce qu'il a écrit va rester, même si c'était semblant sur sa tombe. Je reviendrai dans mon développement, mais je vais faire une brèche dans mes investigations. Nous avons investigué. Oui. Nous avons investigué. Ah oui? Il n'y a pas de préalable académique parce que le cursus, c'est-à-dire le bac, la licence, maîtrise, DEA, tout ça là, ça n'a pas été... Bon, le bac encore on peut l'accorder, mais la licence n'a pas été accordée. Ah bon? La licence a été frappée de nullité. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oh, Clarine, comment tu vas, ma chérie? Joyeux anniversaire, cocotte. Hein? J'ai vu que c'était ton anniversaire aujourd'hui même. Hein? Je profite pour te dire joyeux anniversaire. 100 ans sur ta vie. Mettez les cœurs pour Clarine Nyoko. La fille de son père. J'adore quand il dit ça. OK? La licence académique, là, a été frappée de nullité. Je m'explique. De bleu, vous dites... Quand vous allez prendre ma vidéo, les soi-disant paroliers d'un certain leader politique venaient démontrer que la Zombrota, il ne faut pas vous arrêter à dire tu mens, non. Démontrez-moi. Ok. C'est là, Christelle, elle n'a pas aimé qu'Aïcha Kone ait participé à ce dénigrement à l'encontre de son leader Charles Blegoudé en mettant des commentaires. Alors, nous allons écouter maintenant Madame Christelle Nazelo. C'est parti.
petit problème. Hey, ne vous fatiguez pas. Oui. Et maman Kaka Couché a fait vidéo hier soir. Oui, maman, maman Aïcha Kone est partie sur la vidéo. Uh-huh. Elle a fait quoi là? Elle était assise là-bas, conso. Uh-huh. Maman la Chiza. Maman la Chiza, Aïcha Kone. Maman la Chiza qui s'est jamais mariée de toute sa vie. Elle a baisé mari déjà, jusqu'au quand mari de ses filles, de ses petites soeurs. Travail, elle a eu et puis elle est devenue Ewadival. Elle n'a pas cessé de mougou mari des gens, mari des petites filles. Celle qu'il appelle vieille mère, leur mari là, elle va dormir avec eux. Elle ne s'est jamais mariée de toute sa vie. Non, nous là même là, on est encore plus diva dans foyer qu'elle. On a pris trois fois brassard, trois fois couramment dans le mariage là. Tellement c'est doux. Quand monsieur, quand le garçon touche, il dit je te marie. On est à notre troisième bras. Bonjour, maman. Hein? Merci beaucoup. Sois bénie, maman. Elle est partie faire Chiza chez tonton Henri Baugouin. Uh-huh. Il a enceinte. Il n'a pas reconnu l'enfant là. L'enfant là est pédé. Il se promène. Maman, Aïcha Kone, tu veux qu'on te parle la vérité? Question. On va te parler la vérité. Allez. Si ça ne va pas te plaire. Mm-hmm. C'est ça le problème. Mm-hmm. La vérité, là, quand on va te parler, ça ne va pas te plaire. C'est comme ça que tu t'es levé tes vieilles fesses là. Tu es allé bavarder, tu es allé faire quoi? Mais c'est ton travail. Quoi, Toya? Ouais, la chic, Nafigia, Jaelia. C'est ça ton travail. Ah bon? Maman, Jacques, de toute façon, toi, tu es mon Djomousso. Donc, bon, hein? Là, je ne compte plus. Tu es mon Djomousso. Moi, je peux te parler ce que je veux. Attends, sauf que ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Attends, j'ai versé mon crachat, mais. C'est gâté. Tu peux rien partir faire quelque part. Il te se fouille là. Il est sous boulot. Tu es rentré voulée, hein? Tu peux pas aller quelque part avec moi. Elle est rentrée voulée, hein? Ça dit que. Uh-huh. Dit, tellement tu es Chiza, tellement tu n'as jamais eu de responsabilité de foyer. Tu es irresponsable. Nadi Bamba, tu es devenue aujourd'hui la maman de Nadi Bamba. Question. Hein? Hein? Nadi Bamba, là, c'est ta camarade. Et c'est quelle gloire toi tu n'as pas eu pour maintenant suivre Nadi Bamba Kouokou à tes vieux âges là. Toi que Nadi Bamba devait te suivre là. Te voilà aujourd'hui, tu deviens la suiveuse de Nadi Bamba. Donc vous faites un clan. Là où on insulte Charles de Boudet là, c'est là qui est doux pour vous. Mais allez-y dire à Nadi Bamba qu'elle n'arrivera pas à faire quoi que ce soit à Charles de Boudet. Simple. Elle va tourner autour d'elle. Ça ne va pas aller quelque part. Attends ta Hiroshi. Oui. Nadi Bamba, elle connaît Charles Bleu Boudet. Uh-huh. Avant qu'elle soit la go de Opa la Nation pour devenir sa femme, ouah, si c'est, nous on n'est pas au courant, il est sa femme. Uh-huh. Elle était l'amie de Charles Bleu Boudet. Charles Bleu Boudet était aussi mauvais et puis tu étais son ami. Question. Il était aussi mauvais et puis tu étais son ami. Question. Et puis il te couvrait. Oui. Carrément. Bon, quand on insulte Charles Bleu Boudet, uh-huh. Quand on dénigre Charles Bleu Boudet, uh-huh. Maman Aïcha connaît vieille là, uh-huh. Ancienne gloire là, parce qu'il faut faire sortir, danse, on va danser, uh-huh. C'est là-bas on te connaît, uh-huh. Viens tu vas, on va danser, tu comprends, uh-huh. Viens tu vas prendre micro, tu vas, c'est là on te connaît. Quoi, toi, tu es dedans dans une box des enfants. Il faut quitter dedans la mer. Sinon, quelque chose va t'arriver. En tout cas. Quelque chose va t'arriver, toi, mais ça va te plaire. Oui. La mère va te marier. Va te marier. Parce que tout, c'est ton temps. Il y avait garçon, les bonbons. Il n'y avait pas encore garçon, princesse. Dans ton temps, là. Ah. Maman Aïcha connaît. Maman Aïcha connaît. Bah, tu es vieille, tu es ma grand-mère. Maman Aïcha connaît. Garçon, les bonbons là, quand il n'y avait pas encore garçon, princesse en Côte d'Ivoire là, les bonbons garçons, les fofos Boigny, les ministres. Il n'y a pas un qui t'a soulevé pour mettre dans son foyer. Il n'y a pas un. Il y a ado. Même tu pouvais même être la maîtresse des fofos Boigny dans le temps. Parce que vous aviez accès à lui. Millions, on enlève, on vous donne. À quoi vous avez chanté. Tu n'es pas devenu quelqu'un dans ça là. C'est quoi toi, Nafigia, Jaheliya. C'est dedans tu es resté. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà Myriam Makeba. C'était ta promotion. Tu as vu comment Myriam Makeba a fini. Regarde comment toi tu es en train de finir. Hey.
La Sine Keita. Hein? En tout cas, blague ou défaut, ça y a. Allez, les bêtes, hein. C'est pour parler, allez, là. Moi, je suis. À tes sauvés. Après là, même après, c'est. Ministre, on te soulevé ici, Maa Djandjou. On te soulevé ici, on t'a amené dans tous les pays du monde. Tu pouvais t'attraper même ambassadeur, même président d'un autre parti, d'un autre pays pour t'installer, pour t'asseoir. Mais tellement tu aimes Djandjouya comme moi ici, tellement tu aimes Mokléya comme moi ici, tu n'as même pas pu t'attraper un homme à te mettre sous la dent. Tu es allé baiser Marie des gens, ils t'ont enceinté. Le monsieur là n'a même pas reconnu PD qui est dans ta main là. C'est resté dans ta main, c'est resté dans ta main. Minimum à nous, Grenzo. Mais non, 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 ça va pas encore, maman. Ouais, maman. Ouais. Maman Aïcha Kone n'est pas votre amie. On va te faire foutre. Mm-hmm. Le modèle de maman Aïcha Kone, là, on a ça dans nos familles respectives, nous tous. On a maillé de chez maman Aïcha Kone. Mm-hmm. On a quoi à foutre avec? Si elle veut pas qu'on parle d'elle, là, elle est qu'à quitter dans une box des enfants, c'est tout. Quand tu veux pas que les enfants te manquent de respect, là, toi-même, tu as une posture à tenir. Effectivement. Ok? Tu as un comportement qui va avec. Oui. Qui fait que, même quand on doit te parler, on clinque un peu des yeux. Oui. On t'a dit que pourquoi tu as des mamans, Anikela, Djandjouya, des mamans, et Aïcha connaît, Wararo, Mokléa, des Aïcha. C'est nous, on a pris ça sur elle. Seulement que nous, on s'est mariés. Hein? Voilà. On a pris ça sur elle. Seulement que nous, on s'est mariés. Hein? Ok? Connerie. Donc, vous pensez que. Donc, il y a des gens qu'on doit insulter. Et puis, il y a des gens qu'on doit couvrir. Non. C'est ça, non? Il y a des gens qui sont habilités à être grandis, à être honorés. Et puis, il y en a là. On fait groupe. Et puis, on les rabaisse. Et puis, on les insulte. Donc, maman Aïcha Kone n'est pas ta camarade. Qu'est-ce que je vais à foutre avec une camarade? Une vieille camarade. Même à une ancienne femme comme ça. Là. C'est pour vous dire que c'est quelle camarade? Il m'a fait elle. Pour maman Aïcha Kone n'est pas ta camarade. Même à je vais faire quoi avec sa camarade? Ah donc c'est Charles Bleu Boudet là qui est bon à chier dessus. Lui c'est camarade de tout le monde. C'est ta bordel, ta vieille bordel de Aïcha Kone là. C'est elle là qu'on va honorer. Parce que nous on a maillé chez elle. Parce qu'on lui doit quelque chose. Uh-huh. On lui doit quoi? Qu'est-ce que nous on lui doit? Et puis on est obligé de la respecter. Si elle-même, en tant que mère, en tant que grand-mère, normalement elle devait dire non, les enfants arrêtez. Uh-huh. Ne faites pas ça. C'est pas honorable. Oui. C'est elle qui va mettre cœur là où on est sur Charles Bleu Boudet. Donc Charles Bleu Boudet, c'est chien quoi. C'est pas enfant de quelqu'un. En tout cas. C'est pas enfant de quelqu'un. C'est pas parent de quelqu'un. Lui, on peut se mettre à l'aise sur lui. Mais quand il s'agit de vieille Moclet là, on n'a qu'à la respecter parce que nous on mange chez elle. Francine va, comment tu vas, maman? Ouais, ma grande soeur. Hey, parce que nous on mange chez elle, donc on est obligé de supporter. Même quand tu manges chez quelqu'un, quand ça va pas, tu lui dis des bains. En tout cas. Au calme. Okay. Django, tu ne lui dois rien. Uh-huh. Django, tu ne te connais pas, tu ne connais pas. Ouais. Tu ne. Y a quoi? Y a quoi? Donc maintenant, Aïcha Kone, tu traînes maintenant dans les inbox, dans les vidéos aussi, dans les vidéos des enfants, là où on est sur Chablé Boudé, parce que. Et voilà, maintenant on est obligé de te supporter. En tout cas. Quand toi tu as fait ta gloire là, qui a maillé chez toi une fois? Personne. C'est tes parents du là qui sont allés maillé chez toi, tes parents tu, voilà, et Koyaka sauvage là, c'est eux qui sont allés maillé chez toi. Nous on a pas maillé chez toi, nous on te doit quelque chose. Eh, nous on t'a fait quoi? Ah. Nous on a pris balle perdue même dans tout ça là. Nous on a fait quoi? On a fait quoi? Il aime, nous on n'est pas dans vos palabres là et tu t'en nous insulter. Tu peux pas insulter les xénophobes là-bas. Les xénophobes là, tu les laisses et puis c'est sur nous tu arrives. Vos maudits à vous tous. Nous on te doit quelque chose. Connerie va. Vous croyez que hey, là, le respect se mérite, hein? Ah oui, oui, le respect se mérite. Il y a des gens là, on ne les touche pas. Même il t'a. Mais pourquoi? C'est, si vous voyez qu'on se, on manque de respect à maman Aïcha Kone là, c'est parce qu'elle occasionne ça elle-même. Uh-huh. Est-ce qu'elle est la seule? Elle est la seule? Elle n'est pas la seule en tout cas. Elle est la seule diva de Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi c'est elle son autre dans la bouche des gens? Elle ne va plus sur. Elle ne va plus sur plateau télé pour aller chanter. Oui. C'est maintenant ce oh, oh, me blesser. C'est mon Dieu, Mousso. Rien à foutre. Elle a fait quoi, moi? Rien. Jusqu'à aller répondre même à Aya Robert. Tellement elle ne se respecte pas. Tellement elle est petite dans la tête. Mm-hmm. Tellement on ne lui donne pas conseil. Mm-hmm. Elle se lève, elle va répondre. C'est, toi, tu as des petites partout. Pourquoi tu ne prends pas tes petites? Pourquoi elle va se faire par là pour toi? Bien sûr. Pourquoi tu es obligé de venir? Même elle reste même vocale. Tu pleures. Il a le bout. Aïcha Kone, tu pleures. Je ne vais pas encore pleurer. Il faut regarder seulement. Regarde. J'arrive. C'est moi que tu vois arriver là-bas. Petit, petit pied. Au fond, là-bas, là, j'arrive. Hein? Quelque chose que tu vois qui arrive, sèche là. Petit, petit pied qui arrive de loin là-bas. C'est moi, j'arrive. Belle. Ah, non. J'arrive. Je suis en téléchargement, je viens comme ça.
Si tu veux qu'on te respecte, il faut te faire respecter. Ça, c'est vrai. Chaque Bemoudé t'a fait quoi? Dans ta gloire, là, lui, t'a empêché d'avoir ta gloire. Non. C'est pour ça, là où on l'insulte, tu vas déposer tes fesses de poclet comme moi ici, là-bas. Hein? La mère poclet comme nous. Hein? Nos vieilles mères poclet. Nos mères poclet. Nos homères poclet. Hein? C'est toi qui as gâté toutes les petites filles de Côte d'Ivoire, là. Hein? Ne vous mariez pas, allez baiser mari des gens seulement. Hein? C'est ton dit que tu as vieilli dedans. On va dire ton vrai nom ici. Tu vas laisser ça. Tu vas aller chanter. Comme tu veux t'asseoir sur Facebook là, on va te dire bienvenue. Facebook ici là, c'est compliqué. Hein. Il faut avoir le mind. En tout cas. Voilà. Et puis quand tu dis, c'est-à-dire que dans ta parole, quand tu étais en train de répondre à Aya Roberta, tu disais quoi? Que tu vas avoir des malédictions. Aïcha Kone, ta malédiction va se retourner contre toi et ton enfant. Hein? Il faut bien me regarder, je suis gourou. Tu as essayé, toi et puis ton féticheur où tu allais voir là. Ça va se retomber sur toi, tu n'as jamais vu ça. Hein? Essaye. Essaye. Tu verras ce qu'il y a dedans. Toi, tu vous pensez que vous êtes les plus forts. C'est le respect qui fait. Moi, Médéline, yao, Boabré. C'est bon. Alors, Steve Biko Mauritani a répondu à Christelle Nazelo. Nous allons écouter la réponse de Steve Biko, qui se joue les répondeurs, alors que lui-même, il a plusieurs vidéos où il a insulté Simone Ivé et il a été soutenu par Aïcha Kone. On écoute Steve Biko Mortani. Et puis elle dit que maman Aïcha Kone n'a qu'à se désolidariser de ses enfants. Tel que moi, Biko. Oui. Tel que Arlette Zaté. Oui, toi l'insulteur. Tel que Peter. Maman Aïcha Kone n'a qu'à se séparer de nous. Et que Bleu Goudé aussi est le fils d'Aïcha Kone. Bleu Goudé ne peut pas être fils d'Aïcha Kone. Pourquoi? Parce que Aïcha Kone, elle ne trahit pas. Ah bon? Quand Aïcha Kone t'a soutenu, elle t'a soutenu jusqu'à la gare. D'accord. Aïcha Kone ne peut pas être maman d'un traître. Ah bon? Bleu Goudé, c'est un traître. Hein? Quand tu veux que Aïcha Kone puisse prendre et adopter Bleu Goudé comme son fils. Ah bon? Bleu Goudé, c'est un traître. J'ai dit, je vais revenir dessus. D'accord. Maintenant, tu as parlé de Peter, tu as parlé d'Arlette Zaté, et puis tu as parlé de moi. Tu vois que il y a de l'incohérence dans ce que tu dis. Ah bon? Non seulement c'est truffé de mensonges. Vous, les gens du COGEP, vous êtes tous des menteurs. Ah bon? Vous, les communicants du COGEP, vous êtes des menteurs. Ah bon? Voilà, vous êtes des grands menteurs. Donc, quand on ne sait rien, on ne parle pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est Arlette Zaté. Tu vois, tu ne sais rien, tu mens. Tu mens. Arlette Zaté, défend et elle a toujours défendu Nadi Bamba. D'accord. Arlette Zaté, c'est dans sa défense pour Nadi là, qu'elle a essuyé des injures. Et même les gens ont commencé à insulter sa maman. C'est à la suite des injures qu'elle aussi... Elle a commencé à les insulter et à insulter Simone Ivé. Et je vais vous insulter ma mère, vous entrez dans son caleçon. Je vais insulter celle pour qui vous battez. Je vais aussi l'entrer dans son caleçon. Tout ce que je vais dire qui va vous faire mal, moi aussi je vais dire ça. Arlette Zaté ne faisait que de se défendre. Ah bon? Arlette Zaté ne faisait que se défendre. Maintenant, elle est arrivée à Abidjan. Tu sais, tu sais rien, tu parles. Arlette Zaté est arrivé à Abidjan sous convocation de Demba Traoré. Demba Traoré. C'est Demba qui l'a mis en confiance et qui lui a dit de venir. D'accord. Parce que Demba faisait partie de l'organisation au niveau du parti. Voilà comment Arlette Zaté arrive à Abidjan. Ça, on a compris. C'est cette dame-là qui connaît très bien Arlette Zaté. Moi, je ne connais pas la dame, mais c'est la dame qui connaît très bien Arlette Zaté. Sinon, Aïcha Kone ne connaissait pas encore Arlette Zaté. Ça, ce n'est pas nos problèmes. Il faut que j'arrive à te délivrer, à t'éclairer. Parce que tu ne sais rien, tu parles. Oui. Donc, Aïcha Kone ne connaissait pas encore Arlette Zaté. Mais, de la manière toi, elle a fait pour te connaître, c'est la même chose qu'elle a fait. Elle a entendu parler d'elle, mais elle ne la connaissait pas. Arlette Zaté. Tu vois? Elle a entendu parler d'elle, mais elle ne la connaissait pas. C'est lorsque Arlette s'est approchée
de la dame qui était avec Aïcha Koné, que la dame a dit oui, c'est Alex Zatekela. Donc Aïcha Koné a dit ah, ok. Ok. Biko. C'est comme ça qu'elle a pris Alex Zatekela de côté pour lui donner des conseils. La vidéo est là, ça traîne sur les réseaux sociaux. Il faut prendre la vidéo, il faut la montrer. Ok. Et elle a dit, toi avec Steve, vous avez mené le combat. C'est le moment de vous entendre. Ce sont les propos d'une maman. Donc vous avez mené le combat, c'est le moment de vous entendre. Est-ce que tu veux que je joue ce que Alex Zate a dit à Simone? C'est Aïcha Koné qui remercie Alex Zate selon ses explications, que lui, Steve Biko, qui a insulté Simone et Yves et tout, que je peux montrer d'ailleurs, elle va leur dire merci. Pourtant, elle sait bel et bien ce qui se passe en ce moment entre les deux. Ok. Et le combat que vous avez mené là, vous voulez qu'on montre la vidéo? On va le montrer dans le route prochain pour partir. En dehors de ce qu'elle a dit, elle a dit autre chose. Elle a dit autre chose. Pourquoi tu mens comme ça? Hein? Quand tu... C'est-à-dire, il faut savoir rendre. Il faut savoir rendre. Quand tu parles, il faut savoir rendre. Il ne faut pas mentir. Et c'est comme ça qu'elle a eu à parler à Alex, pour lui donner des conseils. Pour lui demander de s'entendre avec son frère Biko. Alette a dit, oh maman, comme c'est toi qui as parlé, j'ai compris. Je viendrai vers toi pour qu'on en parle. C'est tout. Tu vois, pour dire qu'elle a félicité Alette. Oui, merci d'avoir insulté Simon. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi vous mentez comme ça? Maintenant, tu es arrivé 6 mois. Tu es arrivé 6 mois. Ton patron Charles Bleu Goudé même. Si moi demain, Biko, je dis je vais parler à Bleu Goudé et puis je vais être au COGEP, je vais être avec lui. Bleu Goudé va fêter. Je dis, moi Biko, si moi je dis aujourd'hui que je vais maintenant être avec Bleu Goudé et que je vais parler avec Bleu Goudé, je voudrais maintenant travailler avec Bleu Goudé. Ton Bleu Goudé là, il va applaudir, il va organiser fête. Parce que Bleu Goudé lui-même, il me veut avec lui. Ah bon? Moi, je ne dis pas on dit. Hein. Dans son entourage, là, j'ai des gens là-bas. Quand il parle, là, moi, j'écoute. Ah bon? Je suis déjà là-bas. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, moi, j'entends. Mais moi, je ne suis pas à vendre et je ne suis pas à acheter. Ma résistance, je ne la vends pas. Ma fidélité à Gbagbo Laurent, je ne la liquide pas, je ne la vends pas. Je l'assume, même dans la souffrance, je l'assume. Je reste fidèle à Gbagbo Laurent. C'est comme ça que Aïcha Koné est resté fidèle à Gbagbo Laurent. Ton Blé Goudé lui-même, il passe son temps à mentir. Ah bon? Ce que Gbagbo Laurent fait, il veut forcément faire. Ah bon? Tu es arrivé chez moi, je vais t'expliquer. Il y a une chanson que Aïcha Koné a fait sortir. Où est ta rendu hommage là? Merci beaucoup, Col Kodiova. Écoutez bien, hein. Comment Aïcha fait la connaissance de Steve Biko? C'est-à-dire, un insulteur public qui passe son temps à insulter les leaders des partis politiques. Aïcha Koné s'est à tout fait pour s'arranger pour aller le connaître. Pour attirer son attention sur elle, elle a mis son nom dans sa chanson. Écoutez bien ce que Steve Biko dit. Donc, toi, tu es en train de donner raison aux gens de Bleu Goudé qui l'insultent. Comment tu peux dire qu'une diva qui se fait respecter passe son temps à te chercher jusqu'à aller chercher ton numéro de téléphone? Écoutez ce que Steve Biko dit. C'est très important. Aïcha Koné a fait sortir. Cette chanson là. Je vais la jouer. Il va jouer la chanson. Et même si ça prend du temps, je vais la jouer. Écoutez. Cette chanson-là, c'est une chanson de Nadi Bamba. Aïcha Koné a fait sortir. Dans la chanson, tu vas entendre mon nom. Et puis, à cette époque, moi, je ne connaissais pas encore Aïcha. Je ne connaissais pas encore Aïcha Koné. Attends. Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? Attends, on reprend. Elle a reconnu mon travail. Steve Biko, l'homme des bains. Mais Aïcha Koné, t'es tombé plus bas qu'à terre. Comment tu peux aller faire une chanson
et met le nom d'un insulteur public dedans. Et qui dit que ce dernier, c'est un parleur de vérité. Écoutez encore Steve Biko, ce qui dit comment Aïcha Kone a allé tracer les pas de Steve Biko jusqu'à le retrouver. Tellement elle est malhonnête, tellement c'est une femme qui ne se fait pas respecter. Comment toi, Aïcha Kone, tu t'es pas pour aller trouver le numéro d'un insulteur public? Non, non, ça fait honte. Écoutez les gars, écoutez, Steve Biko même va vous dire. Il dit que Aïcha a reconnu son combat. Et quel combat d'ailleurs? Si on vous montre les injures, vous n'allez pas croire. Vas-y, Steve Biko. Steve Biko. Elle me rend hommage. Elle lui rend hommage. Elle rend hommage à qui? Tous les durs gars. À tous les durs gars du. Et parmi les grands, les durs gars de Gbagbo Laurent. De Gbagbo Laurent. Mon nom est dedans. Son nom est dedans. Vous pensez que Aïcha Kone vient mettre ça sur les réseaux sociaux? C'est Aïcha qui se bat elle-même pour aller chercher le numéro de lui là. Pourquoi? Parce qu'il insulte les gens. Et pour attirer son attention, qu'elle le cherche, elle met son nom dans une chanson. C'est ça là, vous appelez diva là. Et donc c'est pourquoi quand Christelle a insulté, moi il n'est pas condamné. On écoute. Écoutez ce qu'est Steve. Aïcha Kone, c'est la diva internationale. Uh-huh. Deux disques d'or. Uh-huh. Aïcha Kone. Deux disques d'or. Uh-huh. Elle est pétrie de talent. Uh-huh. Elle a fait le tour du monde. Uh-huh. À cause de la musique. Mmh. Elle a reconnu mon combat. Elle reconnaît les. Elle a cité tous les noms. De pourquoi elle n'a pas cité le nom de Blé Goudé? Pourquoi elle n'a pas cité le nom de Blé Goudé? Ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas Blé Goudé parce que Blé Goudé n'est pas d'accord aujourd'hui avec Gbagbo sur les manières de faire truc. Et il le dit, hein, écoutez très bien. C'est que Steve Biko dit. Ça y est, c'est ça qui est vos problèmes. Vous n'arrivez pas à analyser toutes les vidéos. Donc je suis obligé de faire des pauses, vous expliquer. Vas-y. La musique. Uh-huh. Elle a reconnu mon combat. Elle reconnaît ses ennemis. Elle a cité tous les noms. Elle a cité pourquoi le nom. Pourquoi elle n'a pas cité le nom de Blé Goudé? Pourquoi elle n'a pas cité le nom de Blé Goudé? Tu crois qu'elle ne voit pas clair? Tu crois qu'elle ne voit pas toi, clair? Tu crois que Aïcha Kone ne voit pas clair? Uh-huh. Elle sait où elle a mis sa tête. Écoute bien. Donc, vous l'avez insulté, vous n'avez pas eu tort. En allant mettre le nom de lui là, dans son son, en reconnaissant son combat d'après eux. Mais pourquoi elle ne met pas Blé Goudé? Pourtant, si tu veux comparer le combat qu'eux-mêmes ont mené, que moi, je ne suis pas d'accord avec, mais Blé Goudé s'est plus battu auprès de Gbagbo que lui, là. Il n'a rien apporté à Gbagbo que des ennuis. Écoutez. Et elle sait pour qui elle se bat. Elle sait pourquoi elle se bat. Elle se bat derrière son frère. Gbagbo Laurent, c'est son frère. Ah bon? Comment? Elle a un côté gros. Toi-même, Nazier. Elle sait que Gbagbo est gros. Gbagbo n'a pas de côté gros. Gbagbo est malien. Elle a un côté gourou, on peut comprendre. Gbagbo, il a un côté bété de sa maman. Il n'est pas ivoirien, mais il est malien. Voilà. Comment malien bété peut avoir des liens de famille avec, je ne sais pas quoi là, comment on appelle. C'est le faux gourou. Mais je ne sais pas comment ça peut arriver. Il faut nous expliquer, Sibiko. Explique-nous. Nous, on ne comprend pas. Nazilou Christelle, tu ne sais pas qu'Aïcha connaît un côté gourou? Tes propres parents gourous vont s'en prendre à toi. Hein? Elle a cité mon nom. Uh-huh. Moi, je n'avais jamais causé avec elle. Il n'avait jamais causé? Jamais causé avec elle. Uh-huh. Ces petites vidéos, simples vidéos que je fais, là, c'est ça. C'est ce qu'elle a vu depuis la Guinée, depuis son exil. Elle a vu le combat que je menais. Elle a dit, lui, là, il faut que je mette son nom. Il faut que j'arrive à mettre son nom dans la chanson. Uh-huh. Parce que je défendais Nadi Bekr-Ong. Elle défendait Nadi. Moi, je défends Nadi. Il défend. Et parce que je défends Nadi, on m'insulte, il ne faut pas y répondre. Uh-huh. Il a demandé ça. Ben, où j'ai dit? C'est à travers sa défense pour Nadi Bamba, où il insultait Simone Ivey, que Aïcha Kone a cherché à le trouver. Et lorsqu'elle a trouvé ce dernier, elle a mis son nom dans sa chanson Steve Biko, l'homme de guerre. Écoutez, Steve Biko encore vous explique. Moi, je défends Nadi. Lui. Maintenant, vous défendez Simon. Uh-huh. Vous, à cause de Simon, vous m'insultez. Vous insultez l'intimité de ma mère. Il ne faut pas moi y répondre. Uh-huh. Faut pas moi y répondre. Question. Donc, moi, les injures, là, ça glisse Simon. Uh-huh. Ça ne rentre pas dans mon corps. Uh-huh. Moi, si j'ai bouche pour répondre, donc je réponds. Uh-huh. Elle a confirmé le combat que je mène. Elle est convaincue de mon combat que je mène. Uh-huh.
elle n'est souvent pas d'accord avec moi lorsque je m'en prends à certains cas du PPAC. Ça, elle me le dit. Ça, elle le dit. Mais les autres, elle laisse. Tu crois que c'est tout, elle avale? Aïcha Kone, c'est la diva. Tu dis Aïcha Kone, elle n'est pas devenue quelqu'un. C'est quoi être devenu quelqu'un? Ça veut dire. Toi, mais il faut nous expliquer. Que tu n'es pas devenu quelqu'un. Aïcha Kone n'est pas. Tu parles de qui même? Est-ce que tu parles d'Aïcha Kone? C'est d'Aïcha Kone, toi tu parles. Nazielou Christelle, tu es sûr que c'est d'Aïcha Kone, tu parles. Il n'y a pas longtemps, Aïcha Kone était en Guinée-Bissau. Elle a été reçue par le président Bissau-Guinée. Ah. Au palais présidentiel, à la résidence du président de la République, la Guinée-Bissau. Ah. Elle a été reçue. Elle a été reçue à Bamako. Elle chante là. Elle est pour le panafricanisme. Ou bien tu ne sais pas ça. Elle est pour le panafricanisme. Elle défend l'idéologie de Babo Laurent. Ah. Elle a déjà choisi son camp. Elle défend l'idéologie de Babo Laurent. Et en même temps, la même Aïcha Kone fait croire aux gens qu'elle est la fille d'Oufoué. Qu'elle soutient le parti d'Oufoué. D'accord, on a compris. Elle n'est pas dans ton camp. Pourquoi tu veux qu'elle soit la maman d'un traite? Un traite qui est bleu goudé sur sa traîtrise là. Ah. Elle ne veut pas être contaminée par ça. Hein? Est-ce ceux qui ont mené le combat pour Babo Laurent, son frère, elle les connaît. Et est-ce ceux qui sont dévoués au combat derrière son frère. Hein? Elle rend hommage à des personnes dignes. Et dans les personnes dignes dont elle a rendu hommage, moi, Biko de la Picaille, l'enfant de Nyawa Diabasimio. Oui, l'enfant de Nyawa Diandelvi. Je suis dedans. Biko de la Picaille est dedans. Hein? Que Blegoudé, c'est son fils. Fils de où? Traître. Hein? Fils de où? Bon, comme tu ne sais pas comment, elle et moi, on s'est croisés. J'ai tout simplement mis cette chanson pour que je puisse t'expliquer comment elle et moi, on a eu à être en contact. D'accord. Et à partir de là, elle m'a adopté. Quand elle a chanté la chanson de Nadi, pour soutenir, pour rendre hommage à Nadi Bamba, la chanson même là a un sens très profond. Et donc, moi, on m'avait donné la moitié de la chanson. Oui. Parce que la chanson fait plus de 5 à 6 minutes, 7 minutes. Donc, on m'avait donné au moins 3 minutes de la chanson. Donc, quand j'ai écouté la chanson, je n'ai pas entendu mon nom. Voilà, je n'ai pas entendu mon nom. Et je ne savais pas qu'elle m'avait rendu hommage dans la chanson. Ah bon? Donc, je n'ai pas tout de suite réagi, mais j'ai joué la chanson. Les 3 minutes qu'on m'a donné là. C'est ce que j'ai pris pour jouer la chanson dans l'une de mes directs. Et puis un jour, mon téléphone sonne. Mon téléphone crépite. Les gens m'appellent depuis la France. Les gens m'appellent depuis les États-Unis. Les gens m'appellent depuis Abidjan. Et ceux qui m'appellent, ce sont des femmes. Les femmes qui sont tout le temps avec Aïcha Kone. Ce sont des femmes parce que Aïcha Kone est un groupe de femmes qui sont souvent avec elles. Oui, elles sont partout dans le monde. Mais elles se réunissent quand elles viennent en vacances, elles sont toujours avec la diva. Et ces femmes-là, elles sont éparpillées dans le monde. Elles sont plusieurs femmes. Et ce sont ces femmes-là qui m'ont appelé. Ah bon? Quand une m'appelle, une me dit, ah, la diva aimerait avoir ton contact pour jouer avec toi. J'ai dit, une diva, Aïcha Kone, qui cherche le numéro de Steve Biko. C'est pas vrai. Vas-y, Steve Biko. Et pourquoi? Parce que le gars, il menait un combat d'après lui et qu'il insulte les gens. C'est Aïcha Kone qui se bat pour aller trouver le numéro d'un rat de goût. Tu m'as trop insulté, hein? D'un voyou qui soutient un bandit comme Babo, un criminel, un assassin, un malien de Babo. C'est Aïcha Kone qui se bat, elle dit à ses amis de trouver le numéro de qui? De Steve Biko. Et quand Steve va venir, il vous dit comment Aïcha a couru après lui. C'est pas Steve Biko qui court derrière Aïcha Kone. Tellement Aïcha est tombée comme poubelle, c'est elle qui court après le numéro de Steve Biko. On écoute. Il n'y a pas de problème. Quand une m'appelle, la diva, c'est la diva qui m'envoie. Elle aimerait avoir ton contact pour échanger avec toi. Est-ce que c'est possible? Il dit oui.
jusqu'à 3-5 femmes comme ça. À un moment donné, moi-même, j'ai commencé à m'énerver. J'ai dit, mais attends, pour parler avec moi, vous avez besoin de m'appeler comme ça? Mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Quand elle a adopté son, quand elle a adopté quelqu'un, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Ah, la diva, ce n'est pas n'importe qui. Et des femmes vont se mettre au service de celle-là. Toi, tu dis qu'elle n'est pas devenue quelqu'un. Tu parles de qui même? Donc, elle est devenue quelqu'un. On devient quelqu'un comme. Hein? On devient comme quelqu'un comme. Donc, pour toi, quand on est quelqu'un, ça veut dire qu'il faut trahir. Et si tu es traître, c'est que tu es quelqu'un. Donc, ta conception d'être quelqu'un, là, moi, je ne comprends pas ça. Sinon, Aïcha connaissait quelqu'un. Tu parles de Myriam Makeba. Et toi, tu connais l'histoire de Myriam Makeba. Toi, Nazielou et Christelle, là, tu connais l'histoire de Myriam Makeba. Tu ne connais pas l'histoire de Myriam Makeba, tu parles de Myriam Makeba. Ok. Aïcha Goni, elle a des réalisations. Ah bon? Aïcha Goni a des réalisations. Ses enfants n'ont pas fait. Ben, ces enfants-là, eux, ils travaillent. C'est seulement le tout dernier, le plus jeune, le dernier, qui est souvent avec sa maman. Je ne sais pas si c'est Sanaï, ça. Bon, je ne le maîtrise pas tout. C'est le dernier qui est avec toujours avec sa maman. C'est lui qui filme souvent sa maman. C'est le dernier qui filme sa maman. Attends. J'avais pris la vidéo où elle était en train de faire des gestes. Elle était avec son fils. Ok. Et donc, on y va maintenant. Aïcha Koné, à travers la chanson qu'elle a produite, et elle a cité le nom de Steve Biko dedans. Et ici, Steve Biko nous explique que c'est Aïcha Koné qui s'est battue pour avoir son numéro. Et quand elle a eu le numéro de Steve Biko, voilà ce qu'elle a envoyé comme message à Steve Biko. On va écouter les premiers messages d'Aïcha Koné à Steve Biko depuis la Mauritanie. Aïcha Koné, avec votre permission, la régie, on est parti. Alors, c'est parti. Aïcha Koné, Steve Biko. Aïe. Régie, il faut nous donner la vidéo vite fait. On n'a pas assez de temps. Régie. Allez. Voilà. Première vidéo. Aïcha Koné. Bonjour Steve. Je salue tous les parents de la Mauritanie. Et puis j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et maintenant, elle va venir expliquer la chanson de Nadi où il y a le nom de Steve Biko dedans. Elle vient expliquer maintenant pourquoi elle a chanté cette chanson. Elle salue Steve Biko. Chanson assez profonde. Elle est assez profonde. C'est chanté pour les gens, les femmes fidèles. Les femmes fidèles. Les femmes qui ont su se comporter vers leur mari. Qui ont eu un comportement exemplaire pendant les épreuves. Et Nadi Bomba, je peux dire que elle est de ces femmes-là. Elle a été celle qui a pu endurer, qui a tout entendu, mais qui a prouvé son amour vraiment pour son mari qui est Gbagbo. Ton mari qui est Gbagbo. Le président Gbagbo. En ce moment, ils n'étaient pas encore mariés. Elle a montré tout ce qu'on doit avoir comme qualificatif dans un foyer. Elle a su maintenir le cap. Le cap. C'était chaud. Et comme on le dit chez nous, quand tu as partagé le miel avec quelqu'un, quand vient l'heure de goûter, quand il cédera, c'est un arbre qui est très amer, il faut être présent. Et Nadi a joué ce rôle-là. C'est pour ça que moi, en tant que sa tante, je lui ai dédié cette chanson. Ok. Et depuis lors que Aïcha Koné qui allait chercher le numéro de Steve Biko, comme elle a l'habitude de chercher le numéro de tous ses activistes, elle a commencé à créer un lien entre eux et déjà qu'elle avait déjà chanté et elle a mis son nom dedans. Et ici, elle rend hommage à Steve Biko. Steve Biko, à l'air là, c'est Ramblay qui est dit. C'est ton anniversaire, non? Donc voilà foutu. Voilà. J'aime manger ça pour te dire joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Happy birthday to you, Steve Biko. Joyeux
anniversaire. Moi, bon, j'étais là-bas. Bonjour, Steve. Et alors, qui est ce Steve Biko en l'occurrence? Je vais vous le présenter ici. À qui Aïcha Kone rend hommage, elle cherche son numéro, elle lui rend visite, elle fait tout. Et vous allez voir aussi, pour aller zater, je vais vous présenter maintenant le Steve Biko dont Aïcha Kone court après. Écoutez Steve Biko. Celui qui est cardiaque, il n'a qu'à quitter ce direct. C'est ça Aïcha Kone. Celui qui ne pourra pas supporter, il n'a qu'à partir de ce direct. C'est là Aïcha Kone félicite. Parce que je serai très cru, je serai très amer, je serai très impoli. Voilà. Et vis-à-vis de Simon, d'ailleurs je l'ai été toujours, parce que je ne peux pas permettre qu'une femme, et c'est lui là, une femme comme celle-là, qui prétend être intellectuelle, qui a un comportement d'obsédé. D'obsédé sexuel. Oui. Qui a un comportement de personne pernicieuse. Et qui a un comportement de personne enivrée de la sorcellerie et de mauvais esprit. Gbagbo Lore est libre de la répudier. Gbagbo Lore est libre de la chasser. Gbagbo Lore est libre de divorcer. Et je le soutiendrai. Je soutiens Gbagbo. Je le soutiendrai. Bec le haut, sans réfléchir. Vive Gbagbo Lore. C'est ça, Aïcha. Il a divorcé. Je suis très content. Je suis fier de ça. Je m'en fous de Simon aujourd'hui. Je m'en fous d'elle demain. On est Yves. Elle mérite qu'on la divorce. Parce qu'elle n'est pas digne d'être auprès du président Laurent Gbagbo. C'est une femme indigne. Indigne. Qui traîne des casseroles. Une femme frivole. Une femme frivole, une femme animée d'un esprit mauvais, ta mère, elle ne peut pas être un exemple. Ah bon? Elle est intellectuelle, c'est pour elle. Mais elle se comporte comme une paysanne, comme une villageoise. C'est ça le soutien. Matapia, ta maman Simone, elle se comporte comme une paysanne. Comment une femme qui a 72 ans peut courir après un homme, courir derrière un homme, comme si elle avait perdu raison, comme si elle était devenue folle. Merci, Aïcha. Ta maman, là, elle peut pas être un exemple de la société ivoirienne et même de la société africaine. Et c'est ça. Ta maman ne peut jamais se comparer à Winnie Mandela. Entre elle et Winnie Mandela, c'est comme le ciel et la terre. La distance, c'est comme le ciel et la terre. Ta maman, là, elle a détruit la carrière politique du président Gbagbo Lore. Ta maman est une sorcière. Matapia, ta mère est une sorcière. Ta mère Simone est une sorcière. Ta mère Simone est une djandou qui se fait mougou par des jeunes. Ta mère Simone est une frivole. Ta mère Simone a détruit la vie politique de Gbagbo Lore. Ta maman Simone est une possédée, absédée. Aïcha, si Christelle t'insulte comme ça, ça va te plaire? Ou bien Afu Keita, ou bien une autre artiste, fait une vidéo, trouve le numéro de Christelle Nazelou et dit à Christelle, bravo pour ce que tu as fait. Et Christelle vient faire vidéo, elle dit, Afu Keita, quand j'ai chuté, Aïcha Kone a cherché mon numéro, m'a félicité, m'a même souhaité joyeux anniversaire. Est-ce que toi, Aïcha Kone, ça va te plaire? Pourtant, Afu ne l'a pas fait. Toi, c'est toi qui es allé chercher le numéro de lui, là, en le félicitant, en disant qu'il mène un combat, et tu l'envoies toujours des petites vidéos, des salutations, et tu le fais à le perroquet d'ailleurs. Tu peux payer ACI, Mathieu. Tu le fais avec tous les activistes. Comme tu dis qu'il a mené un combat, et que ce combat, c'est un homme de gbè, donc Aïcha Kone écoute les gbè de ton vrai combattant, que tu as chanté son nom dans ta chanson. On écoute toujours. Sexuel, comme toi tu l'es. Tu es une pute, au même titre que ta mère. Matapia, je vais te le dire. Va envoyer cette vidéo à ta mère. Toi-même écoute cette vidéo. Fille de pute là. Elle ne mérite pas le nom, maman. Une mère de foyer, une mère de famille qui a ce comportement lugubre ne mérite pas respect. Elle ne méritera jamais respect concernant ma personne, moi Biko. Si Simon Gbagbo n'est pas Dieu, elle ne peut pas fabriquer quelqu'un. Elle ne pourra jamais fabriquer quelqu'un. Elle-même, elle n'a qu'à se fabriquer elle-même. Avant de pouvoir dire que Simone et Yves a fabriqué Laurent Gbagbo, vous êtes tous des menteuses. Toi et ta mère, vous êtes des menteuses. Vous êtes des putes à la solde des jeunes. Vous êtes des putes à la solde des effrontés.
vous percez partout là, qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Quand on dit ingratitude, là, c'est toi, Matapia. Aïcha. Tu as oublié? Écoute. Que parce que Gbagbo l'aura au pouvoir, ton petit copain, ton petit ami, là, ton mari que tu appelles ton mari, là, il a été nommé directeur général du BF, de la BFA, la Banque des Finances Agricoles. Toi, Matapia, c'est parce que Gbagbo l'aura est au pouvoir que toi, ton mari, a été nommé comme le DG de la BFA, la Banque des Finances Agricoles. Parlez-nous de cette gestion. Question. Matapia, dis à ton mari de nous donner le point de sa gestion. Dis à ton mari de nous expliquer comment est-ce qu'il a géré la BFA. Vous êtes au Ghana, vous êtes dans le frayon. Vous vivez dans le luxe. Pendant que les enfants des gens meurent sur le terrain. Les enfants des gens sont gazés. Les enfants des gens sont arrêtés, emprisonnés. Toi et ton mari qui avait profité du pouvoir de Gbagbo Laurent. Vous vivez dans le beurre, dans le frayon. Vous êtes clic, clic, bling, bling. Vous êtes des imbéciles, sans vergogne. Vous êtes de l'ingratitude à vous. Vous avez de l'ingratitude. Matapia, tu es une pute, tu es une sorcière. Je te le dis et je te le répète. Garde à toi, si tu as encore sorti ta sale gueule pour t'adresser à Gbagbo Laurent, tu vas me trouver sur ton chemin. Imbécile. Toi aussi tu parles. Toi aussi tu parles. Tel propos, oui, maman. Si nous on avait bénéficié, ce que tu as eu, si nous on avait eu là. Tu crois que ça ne serait pas mieux? Ingrate, égoïste, Matapia, sorcière. Toi et ta mère, vous avez détruit la vie politique de Gbagbo Laurent. Toi, tu oses venir parler, traiter Gbagbo Laurent d'ingrat? Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat. Tout le monde peut le faire, sauf toi, Matapia. Sauf toi, Matapia. Ta mère, Simone, elle a trahi ton père. C'est à cause d'infidélité que ta mère, Simone, a été divorcée par M. Ouma. Monsieur Ouma aujourd'hui est victime de la sorcellerie de ta maman. Parle-en. Il faut nous parler de ça au moins. Fille de pute là, sorcière. C'est pourquoi t'as le courage de parler de Gbagbo Laurent? Tu as ce courage d'utiliser ta sale gueule pour parler de Gbagbo Laurent? Tout le monde peut traiter Gbagbo Laurent d'ingrat, sauf toi. Toi et ta mère. Toi et ta mère. Toi et tes tantes. Vous êtes toutes des sorcières. Côte d'Ivoire. Simone et Yves a vendu la lutte. C'est Laurent Gbagbo, tu appelles un vieillard. Mais c'est un vieillard qui a demandé le divorce à ta mère, la Djandou, là. Et puis vous criez, vous pleurez. Vous savez que c'est un vieillard. Vous savez que c'est un vieillard insensé. Mais pourquoi il dit il veut divorcer, puis ta maman refuse. Il dit il veut divorcer, il ne veut plus de ta mère. Ta mère, la frivole, là, il dit il ne veut plus d'elle. Toi-même, tu es une frivole. Tu es une Djandou. Matapia, ta mère qui a foutu la vie de ton père en l'air, tu ne penses pas à ça? Ta maman s'est mariée à l'église catholique. À l'église catholique, on ne divorce pas. Et puis elle a divorcé, elle a quitté ton père. Et puis voilà la malédiction qui plante sur elle. Elle baisait tout le monde. Pendant qu'elle vit un autre papa et un autre mentor. Elle baisait tout le monde. Elle prend les jeunes, elle les met dans la voiture pour aller baiser avec elle dans les hôtels. Bon, il y a des gens. Je viens à la place publique pour vous dire, villageois de Gbagbokoro, je ne veux plus voir de vidéos de qui que ce soit concernant des attaques répétées sur mon père et sur notre mentor. Celui qui envoie des vidéos où des individus s'attaquent à Gbagbo Laurent, cette personne sera retirée du village. Et cette personne, je la bloquerai sans état d'âme. J'espère que ce que j'ai dit, on m'a bien entendu. C'est toute une énergie que je dépense quand je parle. Je n'ai pas envie de me gaspiller. Le terrain, le chemin est encore très long. Et c'est ça là, Aïcha Kone s'est battu pour aller chercher son numéro, rentrer en contact avec lui, faire des vidéos, lui rendre hommage, chanter, mettre son nom dedans et dire que c'est un vrai combattant. De vous à moi, lui là ses propos avec celle de Christelle là, allez-y comparer les deux. Et mieux, elle était où? Christelle l'a trouvé où pour venir l'insulter? Moi je ne défends personne. Voilà, je défends. Moi je ne fais que décrire ou analyser la situation. À chacun fait ses idées. C'est pourquoi il ne peut pas aller à Abidjan.
Et il mentionne Alassane Ouattara parce qu'on l'attend pour cette vidéo. Et il a été félicité. Même, salut à toi, Boedville. Il a été félicité par qui? Par les essences du PPACI, les Marie-Odette Lorignon. Et pourquoi à l'ESAT, elle a été arrêtée? Je vous montre ça encore. Et le reste du papatoya, je garde. Je n'ai pas tout joué aujourd'hui. À l'ESAT a été arrêté à l'aéroport, et a été arrêté à l'aéroport à son retour. Et lorsqu'elle arrivait à Abidjan, qui est parti l'accueillir? Madame Aïcha Kone. Et cette vidéo d'Alès Athé, ils l'ont fait disparaître. Simon Babo, sa mère. Cette vidéo, il n'y a que l'âge seul qu'il a. Alès Athé. Même Alès Athé, c'est même pas où la vidéo est. Personne n'a cette vidéo. Eux, ils pensent qu'ils ont fait disparaître la vidéo. J'ai fait sortir dans mes archives pour le Papatoya. Écoutez ce que Alès Athé dit de Simon et Yves. Écoutez bien, c'est parti. Et c'est ça. Simon Babo, sa mère qu'on au carré. Sa mère qu'on au carré même. C'est moi qui ai dit ça. T'es à l'aise. On fait rien. Il a pris le mari là, criant. Ils ont pris le mari. On fait rien avec. Bande de zozo. Bande de chipi. De toi, tu vas te lever. Simon Babo, sa mère qu'on au carré. Sa mère qu'on au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Elle n'a pas expliqué comme ça. Il a pris le mari là, criant, et puis on fait rien avec. On rien avec. Bande de zozo, bande de chipi. Et toi, tu vas te lever, toi une bordelle, une pétache, une saleté comme ça, que Ephraim prenait pour baiser matin, midi, soir pour laisser. Kiri Thierry est venu baiser pour laisser. Voilà, Pépé. Il a pris Gengi de Gengi pour l'aider. Il est venu te baiser dans ta maison, dans ta pocherie là. Tu as fait une vidéo sur moi pour dire quoi? Tu as fait vidéo sur moi pour dire quoi? Regardez-moi ça. Enfin, des gens inutiles comme ça là. Et dites, c'est ça. Donc, j'ai dit, Simon Babo, sa mère qu'on au carré. Sa mère qu'on au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Et puis on fait rien. Il a pris le mari là, criant. Et puis on fait rien avec. Bande de zozo. Bande de chipi. Pour l'aider, il est venu te baiser de toi. Et la voilà avec Aïcha Kone ici, qui cherchait à la rencontrer et à la retrouver. Et qu'elle devait se réconcilier avec Steve Biko parce que les deux mènent un bon combat. Qui va venir la trouver ici à l'aéroport? Regardez-moi ça. Aïcha Kone, regardez. Comme des gens inutiles comme ça là. Aïcha Kone. Vous prenez une photo là, vous mettez devant les autres. Ils vont lui dire que c'est à l'aise à tout ça, que le chiffre là. Maman, Maman, c'est pour toi. Voilà. Oh là là. C'est pour toi. Attends, j'ai pris une photo, maman. Viens prendre ma photo. Comment vas-tu? C'est Arlette. Maman, comment vas-tu? C'est Arlette. Et regardez la réaction de Aïcha Kone. Elle dit, maman, comment vas-tu? C'est Arlette. Ça dit, elle cherchait Arlette, elle ne sait même pas c'est qui d'abord même. Puisqu'elle est femme même de ses injures. Écoutez. Arlette! Viens prendre ma photo. Comment vas-tu? C'est Arlette. Elle crie comme ça, tellement elle est contente. Elle voulait parler, et ils l'ont dit non, que Arlette en direct. C'est là qu'elle a coupé la parole. Et c'est en direct. Maman, je suis en direct. Elle est en train de parler de leur combat qu'ils mènent. Et Arlette a été rapidement anticipée. Je suis en direct, je suis en direct. Sinon, elle se laissait partir. Je vais t'expliquer, on est en direct. Maman, je vais t'expliquer. Je suis en direct.
je vais arriver chez toi. Sinon, si Alette ne disait pas qu'elle était en direct, Aïcha est en train de vomir. Elle est en train de... Moi, je viens de te voir. J'ai dit, je suis en direct. Je viens te voir. Hein? Après un trop de jours. D'accord, je viendrai te voir. Au nom de Dieu. D'accord, maman. On va te donner mes couilles. D'accord, maman. Je vais voir une chose fatiguée. Maman, je suis trop content. Vas-y. J'ai compris, maman. Tu as dit, c'est validé. Non, une maman, elle dit en même temps. Noël, c'est toi qu'on attend. Elle a la recroix avec elle. C'est bon? Ouais. Alors, viens. Ah, ouais, vous deux. Non, viens. Ah, d'accord. Pas encore. C'est ça, les mamans. On a eu des enfants. D'accord, maman. Incroyable, merci beaucoup. Les infos, les vidéos et les détails. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et là, elle voulait parler de leurs problèmes en Sidibigo et autres, comment ils mènent leur combat, ils doivent se réconcilier par rapport à tout ce qu'ils font. Alette l'a coupé la parole. Elle a dit, maman, je suis en direct. Je vais aller t'en parler chez toi. Et Sidibigo est revenu sur cette histoire. Alors, chers frères et sœurs, comme j'ai un live ce soir, je ne vais pas dépasser 2 heures. Le reste de Papa Toya, on va la mettre samedi prochain. Parce qu'il y a des bonnes choses encore que je vais vous présenter. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Et Will Way Jordan a été rejeté par le camp pour Babo. Malgré il est allé insulter qui? Charles Bleu Goudé? Dans cette histoire de qui? De Aïcha Koné. Ils l'ont rejeté encore. Et Badie Goli a donné un droit de réponse à Will Way Jordan. Et Iva Ipo est sorti. Lisanae Mirasso, sans oublier Martaba. Et Sidibigo sera encore dans le deuxième Papa Toya avec Alès Até, avec tous ses acteurs. Alors, ça c'était vos petits cadeaux de dimanche. Comme on le dit, on est pris par le temps et on est pris par le travail. Voyez, hier on n'a pas pu vous montrer tout par A plus B. Abonnez-vous sur la page, c'est Papa Toya chez nos voisins, la nouvelle page. N'allez pas sur Papa Toya de Ladji. Là-bas, on publie les vidéos, mais abonnez-vous massivement. Si SE Communication BIS 2, abonnez-vous massivement sur la page Papa Toya chez nos voisins. Vous avez déjà l'image de la page qui est là. Salutations à notre maman Jeannette Dick. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, l'image est là. C'est le président Ado qui est devant. Vous voyez, c'est le président Ado et Ladji Sherif qui est devant. Attendez, je vais approcher devant la caméra. C'est un peu flou. Vous voyez, c'est la nouvelle page. Abonnez-vous ici. Voilà, j'approche. Voilà. Vous allez vous abonner, vous likez, vous aimez. On est presque 4000 là-bas. C'est une nouvelle page. Puisque l'autre, on l'avait laissé pour démontrer des preuves contre Herman. Et puis, bon, on a eu des soucis dessus. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Rendez-vous ce soir pour nos petits directs. Et puis voilà, si j'ai encore le temps, si je ne suis pas fatigué, je vais donner la parole aux militants. Est-ce que Assimi Goïta a pu libérer Kida? Salam alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Ah ouais, même si t'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il vous vite. Papa Ado, Maman Dominique. Avec Adomania, on y va. Watara Tieo, yeah, Amilene Fabio. Alibi, Ali Seni, Amile Fabio. Président Ado, Amile Fabio. Watara Tieo, yeah, Amilene Fabio. Alibi, Ali Seni, Amile Fabio. Les élections arrivent, je vous demande la paix et l'amour. La Côte d'Ivoire a connu les moments difficiles. C'est notre passé, nous ne voulons plus revivre cela. Ouattara Tieo, yeah, Amile le Fabio. Alibi, Ali Sini, Amile le Fabio. Président Ado, Amile le Fabio.
Radio. Qui gagne.